Alors, nouvelle partie. Bienvenue sur Supermarket Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et vous agrandirez et vous l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter les faillites. Amusez-vous bien. Ok, donc là pour l'instant, on a cette boutique de con là. Ah, on va pas aller loin avec ça. Hein. On va pas aller loin avec ça, je vous le dis. Mais c'est un appart étudiant, c'est pas un magasin. C'est un appart étudiant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, je connais rien. Les gars, je découvre le jeu. Attention, je découvre le jeu. Donc, je sais que vous êtes dosé les. Ah, oh, j'ai pas allumé la lumière carrément. Je suis en train de me. Oh, je suis en train de me. Genre, comment dire, de m'émerveiller pour n'importe quoi. Ok, donc déjà, j'ai payé les factures d'électricité. Ça, c'est très bien ça. Ouais, je connais pas le jeu, du coup, je vais découvrir avec vous. Je sais que vous l'avez poncé le jeu dans tous les streamers de France, mais moi, je l'ai pas encore, donc je découvre. Ok, donc, marché, gestion, banque. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là, attends, oh là, attends, il y a beaucoup de choses là, C'est quoi ça? Ça c'est juste pour payer, d'accord. Ok, ça c'est juste mon petit truc, là c'est mes étagères. Je découvre. Alors, ici on a les produits, donc pour l'instant on a R, c'est ça? Banque, prendre un prêt. Bah je prends tout, non? Je sais pas si j'ai d'être ça là ou si j'ai fait de la merde en prenant ça, mais c'est pas grave. Ok, licence du produit. D'accord, donc là on peut, c'est là où on peut avoir des nouveaux produits de ce que j'ai compris. Ok. Donc là on a des licences, on a les factures. Factures loyer. Là on peut agrandir. Ok. Mais pour l'instant on peut embaucher aussi, on peut embaucher des caissiers. On peut embaucher des caissiers. On peut embaucher des esclaves, des caissiers. Stockage. Verrouillé. Non là j'ai pas l'argent pour ça. Customisation prochainement, donc c'est pas encore. Ok. Et bah on va acheter des trucs alors. On va acheter des trucs. Qu'est-ce qu'on a déjà là avec nous? Marché. Céréales. Pain de mie, farine, pâte, huile, sucre. Ah oui, donc c'est vraiment les basiques. Merci beaucoup Another et merci beaucoup Rachel pour vos deux subs. Merci beaucoup Idriss Pingouin pour les cheers et merci beaucoup Clara pour les 1 an. Félicitations, merci beaucoup. Petit dérapage, oui, ça arrive, bon, ça va. Pâtes, on va prendre des pâtes, On va prendre une dizaine de pâtes. Attends, non, c'est des caisses de 8. J'ai fait de la D là. Attends. C'est des cartons de 8. Donc je vais peut-être pas prendre 2, ça fait beaucoup. Je vais en prendre 2. Ok, 2 de farine, 2 de sucre en poudre. On va commencer de chill, parce qu'après je sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, pain de mie, on va en acheter aussi, et céréales. 115 balles, eh, ça va vite hein. Ok, j'ai acheté, est-ce que je me fais livrer rapidement? Oh waouh, oh oui, c'est hyper rapide. Ah non, bah, c'est très rapide. Non, mais Amazon, pitié. Prenez-en de la graine. La Chronopost, je vise personne Chronopost. Mais à un moment peut-être avoir à se bouger le cul hein. Ok, bon, on a ça. Gestion. Pour l'instant on va peut-être pas On va peut-être y aller doucement. Monsieur, mon magasin il est ouvert. En fait je dis mon magasin il est ouvert mais il y a absolument rien dedans. Alors attendez, là du coup. Oh j'adore, eh c'est génial. Alors comment est-ce qu'on va organiser ça? Je pense qu'en haut on va mettre les... En bas on va mettre la farine. Parce que c'est lourd tu vois, c'est un peu chiant. Voilà, on commence déjà comme ça. Après je fais quoi du carton? Je le mets à la poubelle. Ok. En fait, en plus on fait le tri. Les pâtes ça c'est un banger. Ça les pâtes c'est un banger. Donc il faut que ce soit à portée de tout le monde. Donc c'est ici. Voilà, des petites pâtes panzati là. Hop. Tac. C'est quoi? C'est des penne. J'adore les penne. Allez hop là, on met plein de pâtes. Tac. Plein de pâtes. Là les pâtes je vous le dis ça va partir comme des petits pains. Mais c'est pas des petits pains, c'est des pâtes. Donc, comme des petites pâtes. Allez, hop, on prend ça. C'est quoi ça? C'est du sucre. Le sucre, on le met où? On met à côté de la farine, le sucre. Hop là, rayon pâtisserie. Tac. Voilà, parfait. Hop. Ça, c'est quoi? C'est encore de la farine. Eh ben, on met là. Tac. Oh là, je me suis pris le mur. Hop, et là, attends. Non, moi, c'est l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, on va la mettre. Alors, l'huile d'olive, c'est un banger aussi. Hein. Hop. On met ça comme ça. Ça c'est quoi? C'est encore du sucre. On le met là. Oh moi je peux vous dire quand je vais ouvrir mon magasin là. Oh le buzz que je vais faire. Hop, encore de l'huile d'olive. Paf. Hop. Et là c'est le pain de mie. Le pain de mie, on le met où le pain de mie? Le pain de mie on va le mettre là. Voilà, le pain de mie on va le mettre là. Hop. Merci beaucoup Poséidon. Hop, et on le met là. Comment elle s'appelle l'huile d'olive?
Elle s'appelle l'huile d'olive Lépier. Comment ça, mon ref? Oh, c'est artisanal, ça. Ça, c'est artisanal. Ça, j'aime bien. Mais après, nous, on met en avant les artisans, on met en avant le terroir, finalement, le terroir français. Et ça, c'est pas mal, ça. Lépier, c'est bonne huile, ça. On n'a pas mis les prix. Alors, je l'ai acheté à 0,99. Prix du marché, 3,96. Bah, je vais le mettre à 3,96, alors. Ou alors, est-ce que je fais le chien et je le mets à... Tu sais quoi, je vais mettre à 3,99, carrément. Hop là. Et c'est moi qui fixe les prix, de toute façon. J'en ai rien à foutre. 3,99. Les pâtes. 3,12. Eh bah, ça va être 3,50. Écoutez-moi bien, c'est l'inflation pour tout le monde, d'accord? Hop là, j'ai un loyer à payer. 3,71. Eh bah, ça va être 3,85, mon petit pote. Nous, on met en avant le terroir français. Mais pourquoi ça marche pas? Merde. Mais... Je peux... Mais je suis con ou c'est comment? Mais pourquoi je peux pas mettre de... Pourquoi je peux pas mettre de prix? Oh, c'est quoi ce... Ok. 3... Mais c'est quoi ce jeu de con, là? 3... 80... 85. Hop, voilà. J'ai des employés à payer. Et quand je parle d'employés, je parle de moi. Il y a juste moi. Je me paye moi. Et en vrai, c'est déjà bien. Hein. 4,85 le pot de sucre? 4,83! 4,83 $ le paquet de sucre? Bah écoutez-moi bien, on va le mettre à 4,90 même. Bah alors là, hop là, 4,90. Et ça là? Non, j'ai pas 4 parce que... Il faut rentrer dans le crâne des gens. Tu vois, faut rentrer dans le crâne des gens. Il faut 3,99, ils disent « Ah mais c'est 3 $ !» Alors que non, c'est 4. Mais les gens vont dire « Ah c'est 3 ». Alors, ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. L'huile d'olive. Alors ça, l'huile d'olive, normalement c'est un banger, le prix de l'huile d'olive. C'est 4,50. Et bah, l'huile d'olive, c'est la guerre en ce moment. Il y a plein de grèves, ça va être 4,99, mon petit pote. Hop là. Écoutez-moi bien. Moi, les gens, c'est pas mon problème. D'accord? C'est pas mon problème. Et on va racheter des trucs. On va racheter des choses. Parce que là, il nous manque quoi, là? Là, il nous manque... Ah là, on peut faire des bangers encore, là. On peut faire plein de trucs. Donc là, on va acheter quoi? On va acheter des céréales. On n'a pas acheté des céréales. Donc on va acheter des céréales. Hop, ajouter au panier. Et on va acheter... Oh, c'est déjà pas mal, en vrai. On va acheter des céréales, on va voir après ce qu'on donne. Ok, on a des petites céréales. Attends, c'est une féfée que je... Attends, les gens, ils roulent en féfée, ici? Les gens, ils roulent en féfée, ici? Attends, les gens, ils roulent en féfée, ici? Oh là, mon petit pote, alors là, fallait pas que je vois ça, alors là... Ah, les frères, il fallait pas que je vois ça, les potes. Il fallait pas que je vois ça. Oh, l'inflation. Oh, l'inflation. Ça roule en féfée, y a aucun problème. Y a aucun problème, les petits potes. Ça roule en féfée. 3,99 le pain de mie. Allez, 5,99 le pain de mie. Ah, ça roule en féfé. Et ça roule en féfé et ils vont penser que je vais mettre 3,99 mon pain de mie. Bah mon frérot, c'est mal me connaître. Allez, 5,99. Les pâtes, 3,12. Non, pas 3,12. Allez, 4,99 mon frérot. Tac. C'est quoi ça? C'est de la farine? 3,71? Non. 4,71. C'est quoi le sucre? C'est 4,90? C'est 5,90 le sucre. C'est 5,90 mon petit pote. C'est même 6,50. Parce que le sucre c'est cher de nos jours. Les céréales, c'est quoi les céréales de con là? 2,99? 5,98! C'est 5,98? Mais ici ça coûte 8,99, d'accord? Ici, qu'on se le dise bien, ici ça coûte 8,99, d'accord? 8,99 mon petit pote. Eh ouais, ça coûte cher, la vie coûte cher. La vie coûte cher. Ça, 4,50? 6,50. Ça roule en féfé, ça va acheter de l'huile à 8,50. Ça va, j'arrive plus à parler. Ça roule en féfé, ça va acheter de l'huile à 6,50. Hop là. Ils vont dire que c'est trop cher? Écoutez-moi bien. S'il y en a un qui dit c'est trop cher, je dirais, bah écoute, tu peux t'acheter une Ferrari, tu peux acheter du la 650, d'accord? Ok? Normalement, faut arrêter de se plaindre. Hein. Toi là, t'as une féfé toi? Non, t'as pas de féfé toi. Toi t'as pas de féfé toi. Donc tu m'intéresses pas, mon petit pote. Attendez. Je crois que j'ai. Mais. Ok, c'est bon là, on a tout fait. Lui, il roule en Jeep, lui, c'est sûr qu'il roule en Jeep. Ok, là, on est pas mal avec les céréales. On va rajouter du pain. On va rajouter du pain de mie, en vrai. Hein. Du pain de mie ici, ce serait pas mal. Non, on va acheter une nouvelle licence. Parce que là, on a tout fait. On va acheter une nouvelle licence. On va aller dans les gestions. Licence de produit, bouteille d'eau. Mais c'est parfait, ça. Mais tout le monde veut des bouteilles d'eau. Niveau requis du magasin, 3.
D'accord, donc je vais me faire foutre. J'ai bien compris. Ok, j'ai pas encore le niveau. Marché. Ah, il y a des fournitures aussi. Mais attends. Mais quoi? Mais bien sûr que je vais acheter un frigo. Bien sûr que je... Est-ce que mon, le frigo, il a été livré? Ah ouais. Bah si seulement ça pouvait être aussi simple. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Ensuite, produit. On n'a pas de produit frais. Ah mais du coup c'est la honte, parce qu'on n'a rien à mettre dedans. C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. On va reprendre. Hop là, ça on en reprend. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, pas mis un seul, c'est déjà bien. Tac, et on reprend. De la farine et du sucre. Parce que au niveau argent, c'est banger. On l'a bien vu, c'est banger. Hop là. Alors, regarde, le facteur, il commence même à kiffer. Le facteur, c'est un kiffeur dans cette ville. Le facteur dans cette ville, c'est un kiffeur. Il est en train de faire des petites Tetris, là. Hop, du sucre, juste ici. Hop, ça a déjà mis le prix en plus. Toi, tu roules en féfé, mon pote, hein. Toi, tu roules en féfé ou en lambeau, toi, hein. Tico Star, t'as le blanc, t'as la fraîcheur. Non, franchement, là, lui, il est vraiment bien. Elle aussi. Mais attends, mais je suis dans quel quartier, là? Mais je suis dans les Champs-Élysées de Brooklyn, là. Je suis dans les Champs... Mais c'est une dinguerie. Mais attendez, mais je suis où? Mais il fallait me le dire tout de suite que... Mais je paye mon loyer comment, en fait? Bah, je le paye pas, en fait, pour l'instant. Ok, hop. Et maintenant, hop. Et là, on va ouvrir la boutique. Attention, mesdames et messieurs. Ah, mais il me manque un seul carton. Il me manque un carton. Attendez, on est presque à l'ouverture. Soyez patients, on arrive. On va ouvrir. Laissez-moi le temps, on va ouvrir. Et vous mettez la pression un peu là. Il nous reste un pain de mie à avoir. Hop. Ok. Ah c'est bon, je suis déjà accro. Hein. Je pensais pas que c'était aussi addictif. Mais en fait, c'est super addictif. Ok, bon, mesdames et messieurs. On est bon. Tac. Ne vous inquiétez pas, après je vais m'acheter, après je vais me payer un homme sandwich juste ici là, qui dira la boutique est ouverte, vous inquiétez pas. Ok, attention, mesdames et messieurs, le buzz dans quelques instants. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a Beyoncé qui vient d'arriver et qui est en train de faire ses courses déjà. Elle achète du sucre. Elle a... L'épier huile est trop cher pour moi? Mais écoute-moi bien avec tes seins siliconés là. T'as eu l'argent pour les refaire? Donc tu peux acheter mon huile? Non? Avec ta frange là. Il y a une vibe à Lena Vivas par contre, je trouve. Lena, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une vibe à Lena Vivas là. Ok. Pas les seins, hein, je te parle de là. Non. Non, c'est ce que je voulais dire. Non, la frange, il y a une vibe à Lena Vivas. Ok. Je mets ça. Tu me tends l'argent. Hop. Attends, je lui rends combien là? 10$? Récupérer de l'argent, vous pouvez récupérer de l'argent en faisant un clic droit sur les billets dans la caisse. Bah c'est bon là. Rendu monnaie. Donner 10$. Attends quoi? Attends, je fais quoi là? Reçu 10$. Total 6,50. Je comprends rien. Attends, je suis perdu. Attendez madame, jamais été très fort en maths. Je suis perdu, qu'est-ce que je dois faire? Madame! Mais là, je lui donne beaucoup trop d'argent, là. Non! Mais je lui ai donné... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Maxime! Qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai donné de l'argent. Elle est venue acheter, je lui ai donné de l'argent. C'est l'heure de pointe. Mais bien sûr, tout le monde vient. Je donne de l'argent au client. J'ai inventé le premier magasin qui donne de l'argent au client. Ils achètent pas, ils récupèrent. Et en plus, ils sont payés pour le prendre. Ta carte bleue, ok. 4,71. Oh là 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 là. Mais moi je... C'est un sketch. Oh lui il a pris l'huile et les pâtes. Toi mon gars, toi tu roules en féfé toi. Rendu monnaie, 3,51. Ok, donc 1, 2, 3. 51. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oh. Toi tu bosses pour le FBI toi. Chocky pique, arrête de mytho. Arrête de mentir. Prends les vraies choses maintenant. Arrête de mentir. C'est quoi, c'est un nom de code? Ça veut dire quoi, Chocky Pic?
Ça veut dire que tu vas éliminer ma femme ? Ouais. 8,99. Ah ouais, toi t'as les moyens. Toi t'as les moyens, mon petit pote. Hein. Tout le monde se plaint de mon huile, par contre, je comprends pas. Elle est si chère que ça, 6,50 l'huile ! Personne se plaint du reste, tout le monde se plaint de l'huile. Tu vas pas te plaindre de l'huile, toi tu prends le sucre, ok. Chocipic, céréales est trop cher pour moi. Mais arrêtez de râler, arrêtez de râler. C'est fou, ça. Avec ta tête, là. 6,50, allez, hop là. Tout est trop cher. Oh, et la vie est chère, d'accord. La vie est chère. Est-ce que je m'en plains, moi? D'accord. J'ai un loyer à payer. Bah d'accord, bah, je vais la descendre à 5,50. Ça roule en féfé, ça veut pas acheter une huile à 6,50. Ah d'accord, super. Et bah 7,99. C'est mon dernier prix. C'est mon dernier prix. Ok. Petite sucre. Oh non, les pâtes. Ah non. Non, non. Alors toi, t'as un costard. Non, non. Toi, t'as un costard. T'as eu beau gosse. Et tu me fais... Et tu me fais le coup. Tu me fais le coup. Des pâtes trop chères. Arrête de me regarder comme ça avec tes cernes, là. Va dormir, déjà. Hop. Je prends ça. Attends, quoi? Il m'a donné un billet de 100 dollars? Attends, il m'a donné un billet de 100 dollars? Il faut que je lui rende 6, il faut que je lui rende 93,50. Et il peut pas se payer le paquet de pâtes parce qu'il est trop cher? Mais il se fout de ma... Non, mais lui, il se fout de ma gueule, hein. Lui, il se fout de ma gueule, hein. Lui, vraiment, lui, il se fout de ma gueule. En fait, t'as voulu me pisser dessus, quoi. Tu t'es dit, vraiment, les pâtes sont trop chères pour moi, mais en plus, je vais le faire chier, quoi. 93,50. Bah ouais, toujours plus, hein. T'es vraiment un chien. Oh, mais... Mais attends, mais... Il me fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir qui. Il me fait penser à quelqu'un, j'arrive pas à savoir qui. Il a une vibe un peu Peter Parker. En même temps, il a un peu une vibe le mari de Suzanne dans Desperate Housewives. Comment il s'appelle déjà? Oh non! C'est Sardoche! De fou! C'est Sardoche! C'est Sardoche de Zinzin! C'est Sardoche de mal... Mais non, mais attendez, mais ils l'ont modélisé dans le jeu, c'est pas possible. Non, mais ils l'ont modélisé dans le jeu, mais c'est pas possible. C'est la vérité. Ils l'ont modélisé. Non, mais c'est une dinguerie, c'est Sardoche. Mais ça paye plus, streamer, alors. 411. Ok, au revoir, Sardoche. Mais t'as pas pris ton... Ah non, d'accord, c'est toi. Ok, hop. Un peu de farine, hop, du cash, 5$, je te rends 29, ah le nul, le gros nul. Eh ben je t'ai donné un centime en plus, tiens, ça me fait plaisir. Hop, tac, je te prends 411, hop, et là ça enchaîne hein, les ventes hein. Bonjour madame. Attendez, est-ce que là... Est-ce que je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît? Donc là, je mérite pas un regard, c'est ça? Parce que je suis un pauvre petit commerçant? Alors, ce regard, un peu du coin, genre, nique ta mère, je l'ai très mal pris, mais... Bah, c'est pas grave, j'ai donné tes Chocipic, là. Hop. Et tu me files 50$. 50$ pour acheter des Chocipic. Je trouve qu'on respecte plus les petits commerçants en ce moment. On les respecte plus. Ah voilà, deux Chocipic. Vous êtes le meilleur, vous. Attendez, je vais allumer la lumière parce qu'on se... L'ambiance devient bizarre. Ok, tac, tac. Deux Chocipic, un petit peu de cash. Ah bah tu m'as donné l'appoint. Mais c'est magnifique ça, mais ça c'est toi, t'es le meilleur client toi. Oh, c'est toi mon préféré finalement. C'est devenu toi mon préféré. Combien tu me donnes là? 15,71. Eh, c'est le buzz hein. Il faut que je te rende 4$. 1, 2, 3, 4. Hop là. Mais il veut quoi Pablo Escobar là? C'est du sucre hein. C'est du sucre hein. Je le répète, c'est pas... C'est pas ce que tu crois. C'est du sucre.
Ok, je prends. 6,50. Toi, tu, lui, le roule en féfé, lui. Lui, roule en féfé, c'est évident. Des pattes. Ok, toi, c'est grosse soirée en perspective. 9,98. Évidemment qu'il va se faire des petites pâtes carbonara, les meilleures pâtes possibles. N'en déplaise à la racaille qui préfère les pâtes au pesto ou les pâtes bolognaises. Évidemment que les pâtes carbonara foudroient le reste. Bah c'est bon, je l'ai allumé le... Ah mais attends, on peut être un petit peu en... On peut être un peu en... On peut en mettre une petite ambiance sympa quoi entre nous. On est en train de me dévaliser le sucre, lui, la farine. Salut. Alors, ça roule en féfé en ce moment, ou... Petite ambiance cocooning... Non, ça te plaît pas, ça t'angoisse? Je comprends. Un petit peu moi aussi, hop. Ok, du cash. 9,42, tu m'as fait la pointe. Magnifique. Ah, toi t'es venu juste pour casser les couilles, toi. Toi t'es venu, tu m'as juste dit c'est trop cher et t'es reparti. Le pain de mie est trop cher? Le pain de mie, il coûte combien, le pain de mie? Vous abusez pas, 5,99 au lieu de... 3... Oh, ouais. J'ai le baissé à 4, mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Monsieur, n'hésitez pas à manger mes pâtes. Mon huile d'olive. C'est les cheveux qui vous intéressent, c'est tout? Ah, l'huile d'olive. Ah, je vous avais dit. Encore, encore, non, non, encore, encore, encore. Il y a une promo. 2 achetés, 3 achetés. Non. Le cash. 19$, il faut que je lui rende 1 centime. Ok, tiens. Oui, huile de tournesol, huile d'olive, c'est pareil. J'ai baissé mes prix, là. C'est bon, normalement, personne râle. Ok, là, c'est bon, c'est baissé. Là, c'est baissé. Là, oh ça va. Non, ça va là en vrai, non? Oh, venez acheter, non? Ok. Produit trouvé trop cher, 16. Revenu, plus 136, moins 200. C'est quoi ce bordel? Profit total, moins 486. C'est la merde, hein? Je crois. Attends, c'est la merde, je crois. Vous recevrez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Assurez-vous de payer les factures à l'aide de votre ordinateur avant leur date d'échéance, sinon elles seront payées automatiquement. Plus les appareils électriques, plus les factures sont élevées. Mais ça va être la banqueroute très vite, hein. C'est la merde, là. Il est niveau combien en magasin? Il est niveau 2. Oh là là. Je trouve que c'est un peu des rats, si je peux me permettre. Je trouve que c'est un peu des rats. Ça roule en Ferrari, j'en vois passer, regardez. Je sors, première voiture que je vois. C'est la crise. Après, peut-être que c'est une journée sans voiture, sans une journée pollution, et il roule en Vélib aujourd'hui. Mais d'habitude, voilà, première voiture que je vois, je l'attends. J'en vois pas pour l'instant. Là, pour l'instant, j'en vois pas pour l'instant. Ah, regardez, première voiture que je vois, c'est quoi? Une Audi. Une belle Audi. C'est la première voiture que je vois. Ah non, ça fait pas Audi, ça fait plus Mustang. Ça fait Mustang, hein. Viens dans ma boutique. Je bouge pas de la route, sinon. Viens dans ma boutique, sinon je bouge pas de la route. Viens acheter des pâtes. Viens acheter des pâtes. Viens acheter des pâtes. Tu me roules dessus. Tu me roules dessus, là. Tu me roules dessus. C'est ça que tu fais? Donc c'est donc ça, l'intérêt que les petits commerçants ont, maintenant? Mais tout le monde me roule dessus, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie de me rouler dessus comme ça. Je me fais rouler dessus par les voitures et par le capitalisme. Deux fois. Alors là, vraiment... Bon, bah écoutez, on va ouvrir le magasin. On ouvre, parce que là on perd du temps là, il est 8h. Hop là, c'est l'heure d'ouvrir. C'est ouvert! C'est ouvert! C'est ouvert! Mais elle, c'est ma première cliente tous les matins, je vous le dis. Elle, il y a un vrai truc avec elle et moi, là. Entre elle et moi, il y a un vrai truc. Non, non, là, t'abuses. Non, là, t'abuses. J'ai baissé les prix. Oh, ouais, t'abuses, en vrai. Allez, je les mets à 4,50, mais parce que vraiment, c'est toi. Parce que je vois que ça te fait pas plaisir et j'ai envie de te rendre heureuse. Donc, tu prends deux paquets de sucre à 8,50 unités. Par contre, un paquet de pâtes, tu peux pas. Bah, très bien. Rendu monnaie, 37$ en plus, hein, je te rends. Ok. Alors,
fait chier, hein, y a personne qui vient. Ah, monsieur! Belle calvasse, si je peux me permettre. Hop, deux petits pains de mie. Ça va se le coller sur le front, ça, hein. Hop, hop. La petite carte bleue. 9,98. Allez, ça part. Hop là. Ça, c'est un prof d'histoire, hein, je vous le dis tout de suite. Prof d'histoire ou prof de maths. Et personne ne vient, là. Mais c'est la crise aujourd'hui, ou c'est comment? Y'a personne qui vient. Mais venez acheter. J'ai baissé les prix, en plus. Les gars, j'ai baissé les prix. Oh, y'a... Attends, pourquoi? Y'a Joe Biden qui vient de rentrer dans mon magasin. Oh, y'a le président des États-Unis d'Amérique qui vient de rentrer dans mon magasin acheter des pâtes. Mais c'est une dinguerie. Et monsieur, est-ce qu'on peut faire un selfie? 4,50. Même le président des États-Unis, il mange des pâtes, apparemment. Elle revient, mais elle peut pas se passer de moi, hein. Je vous le dis, elle ne peut pas se passer de moi. Y'a vraiment un truc, hein. Le pain de mie est trop cher. Mais si je peux me permettre. Ouh alors lui, hop là. Mais il était pas déjà venu acheter deux Chocipic, lui? Est-ce qu'il était pas déjà venu acheter deux Chocipic, lui? J'ai bien l'impression que lui, il a son petit rendez-vous journalier, là. Hop, hop. Tac. Faut pas être timide, madame. Donnez-moi votre carte bleue. Vous inquiétez pas. Je paye à votre place. Tac, tac, tac. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe si je mets 800 balles sur leur carte bleue? Dites-le-moi, le chat. Si par mégarde, par malheur, je mets un zéro en plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il râle ou pas? Hop. Alors, cash, ça, je pourrais pas le faire. Hop, allez, ça dégage. Ok, allez, viens ici. Où elle fait ses courses? Où elle enchaîne. Oh, meilleure cliente de la semaine. On lui met un tableau ici. Hop, meilleure cliente de la semaine. Parfait. En cash en plus. 30. Attends, quoi? Que 19$ pour tout ça? Je suis abattu. Je me suis dit, ça va être un banger. Je suis abattu. C'est trop nul, je suis abattu. Ok. Merci beaucoup, la reine au nez rouge, pour le sub. Merci beaucoup. Mais il se barre, lui. Pourquoi il est pas content? Pourquoi il est pas content encore? C'est dingue, ça. 4,10€, alors. Eh, on s'adapte au marché, hein. Les pâtes sont trop chères. Arrêtez de vous plaindre. Oh, lui. Oh, alors, lui, il m'a régalé. J'aurais essayé. Je dis peut-être un mec qui roule en fait, peut-être qu'il voit pas la différence entre 190$ ou 90$ ou 19$ de débit sur son compte. Peut-être qu'il voit pas la diff. 410, il faut que je donne combien? 410, il faut que je donne. Ok. Et voilà, je lui ai donné 5 centimes, je suis con en plus. Les céréales, elles sont à combien? Oh, vraiment. Je trouve que c'est du chipotage. Hop là. Deux petits paquets de céréales. Donne-moi ça. Tac. 15,98. Ça part. 15,98. Non, non. Hop. Non. C'est beaucoup trop là. Pour deux paquets de Chocipic, 1500 balles, c'est quand même beaucoup. Hein. Hop là. Magnifique. Achetez une licence de produit sur votre ordinateur. Oh, on va s'acheter de l'eau. Je peux pas. J'ai pas encore. Je peux pas. Il est parti. Je vais me prendre un agent de sécu, hein. N'oublie pas les factures. Attends, j'ai des factures à payer, là? Non, toutes les factures sont payées. Ok. Oh, j'ai eu peur. Ok, lui, c'est vraiment... Et par contre, leur panier de con, là, c'est... Comment tu viens pas chez moi juste pour acheter un paquet de pain de mie? Prends-en au moins deux. Ça périme vite, hein. Enfin, je veux dire, ça se mange vite. Ça périme très vite aussi, mais... Là, je trouve que mes prix sont corrects. Non, mes prix sont corrects. Plus personne va dire que ça coûte cher.
Donc peut-être que le sucre j'ai abusé, mais vas-y tranquille. Eh, les Chocipic ils font un malheur. Hein. Ils font un malheur. Hein. Allez, ça enchaîne mesdames et messieurs, ça enchaîne. Ramenez-moi un petit produit là. Hop là, un petit peu de sucre, un petit peu de pain de mie. On enchaîne. Oh, il me régale le sucre. C'est le banger de l'eau du moment. C'est le banger très tendance en ce moment, le sucre. Très tendance en ce moment. Il y a des trends sur TikTok de sucre, je peux vous dire que ça y va très très vite. 50 centimes. Hop là, tiens, je te rends ta monnaie de con là. Pain de mie est trop cher pour moi. Il est à combien le pain de mie? Tu râles? Il est à... Oh, eh hey. Ça va, oui, de se plaindre comme ça. C'est dingue. On est niveau 3. On est niveau 3. Alors, je peux vous dire qu'avec les bouteilles d'eau, on va se faire plaisir. Hop, le petit pain de mie, tac, tac. Le cash, 80 centimes. Paf, 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 et hop. 484$ aujourd'hui. Hein. Bah, la journée est terminée. Est-ce que c'est mieux là ou est-ce que c'est un peu mieux? On est en positif! On est en... Eh hey, un profit de 170$. C'est ma première journée à profit. Et on va pouvoir se faire plaisir parce que là, les petits potes, on va s'acheter, hop là, une... Oh, 22$ déjà? 20$ le loyer? Ah, ça va, on voit, ça va. 200$ la bouteille d'eau. Paf. Ah, mais c'est pas tout ça! Bouteille d'eau, fromage... Attends, mais qu'est-ce qu'on a récupéré là? Mais attendez... Oh les bangers! On a récupéré bouteille d'eau, fromage, café torréfié fort, œuf, pack de 8, lait et le thé noir. Comme ça, tous les darons du quartier vont pouvoir acheter du lait chez moi. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'après, ce qu'ils font de leur côté, c'est pas mon problème. Mais au moins, il n'y aura pas de hey, « je vais acheter du lait ». Il n'y a pas de problème. Tant que c'est chez moi, il n'y a aucun souci. Donc, le lait, c'est 2. Le fromage, c'est 2. Les bouteilles d'eau, c'est 4. Hop là. C'est quoi le nom du magasin? Il s'appelle comment on l'appelle le magasin? On peut vraiment lui donner un nom le magasin? Merci beaucoup Steny pour le Prime. Est-ce qu'on peut vraiment lui donner un nom au magasin ou pas? Parce que je vois pas de nom moi. Il est où ce nom de con? Comment on peut l'appeler? Attendez. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler... Je cherche un jeu de mots avec Market ou un truc comme ça. Non, Ayami, c'est pas drôle. Je cherche un espèce de... Je cherche un jeu de mots avec rat. Genre... raquette ou... Tu vois, genre... Il me faut un jeu de mots avec rat. Non, ça marche pas. Oui. Tu veux qu'on l'appelle comment le magasin? Non, non, c'est nul ça. Non, c'est rincé de fou. C'est rincé de zinzin. Voilà, oubliera. Là, c'est nul là. Là, c'est n'importe quoi là. Parce que je voulais un jeu de mots avec les rats, mais ça marche pas. Comment on peut l'appeler Mais pourquoi? C'est un supermarché, c'est un magasin. Rocket. Mais quoi? Rocket League. Chris Market. Oh, ça me fait rire, ça. Chris Market, ça me fait rire, ça. J'adore Chris Market. Oh, je vais l'appeler Chris Market. Ok, bisous, bisous. À ce soir en fait. À demain. Ah ok, à ce soir. On va l'appeler Chris Market. Il va s'appeler Chris Market. J'adore Chris Market, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Ok, donc on a récupéré, hop, comté. Chez Chris Market, on vend du comté de qualité supérieure. Hop là. Encore du comté? Il n'y a pas de problème. Non, alors par contre, voilà.
Tac. Ensuite, du lait. Hop, ça, c'est pour tous les darons du quartier. Voilà. De l'eau. Alors là, de l'eau, par contre, ça, ça, on en met à balle. Ah, mais en fait, ah, mais le carton est monstrueux, en fait. J'en ai acheté beaucoup trop. Mais j'ai acheté beaucoup trop de cartons d'eau, en fait. Et je pensais pas que ça allait être autant. Oh là. Ok, je pensais pas que ça allait être autant. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore du lait. Hop. J'ai jeté du lait. J'ai pas jeté. J'ai jeté du lait. J'ai jeté le lait. À tout moment, on retrouve un daron dans la poubelle, hein. Pour récupérer les. J'ai jeté du lait. Putain, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait deux fois du carton de lait. Je savais pas. Ok. Encore des bouteilles d'eau. Mais j'ai plus là. On va le poser. On va le poser ici, là. Là. Hop. Tac. Et. Hop. Ça, c'est encore des bouteilles d'eau. Mais attends, mais c'est dingue. Et je vais mettre ça là aussi. Hop, bouteille d'eau ici. Ok, là, on va faire... Ça va être un banger. De l'eau, 2,66 pour la bouteille. Mais on est à New York, en fait. On est à New York. Et alors ça, je peux vous le dire, parce que je suis allé à New York avec Adeline. On a acheté un verre de jus d'orange comme ça, là. Attendez. Comme ça, le verre de jus d'orange. En vrai, de vrai... Le verre de jus d'orange, il était comme ça. C'est tout petit, hein, et il n'était pas rempli à ras-bord. 7$. 7$ le jus d'orange. Et en plus, notre bouteille d'eau s'appelle Flotte. Non, mais c'est, j'aime beaucoup. J'adore. 2,80. 2,99. Hop là. Tac, le comté. Chez Chris Market, le comté est à l'honneur. Donc il sera à 3,99. Voilà, il sera à 3,99 parce qu'on soutient les petits commerçants, on soutient les petits artisans. Il faut quand même qu'il y ait une petite partie qui rentre dans ma poche, dans leur poche. Et c'est hyper important. C'est hyper important. 2,40. 2,40. 2,40. 2,40. C'est quand même pas cher payé pour qu'un daron aille chercher du lait et ne revienne plus chez lui. Hein. 2,99. Et encore, je suis vraiment gentil. Et maintenant, on ouvre. Allez, hop là. On ouvre. Mais on était déjà... Ah non, on est ouvert. 3,50 le lait. Vous avez raison. On le met à 3,25. Vous voyez, je veux faire des prix qui sont honnêtes, qui sont sympas pour les gens du quartier. Et vous, vous me tentez. Hop, il prend sa petite huile d'olive, deux huiles d'olive, c'est tout. Je viens de sortir un frigo. Je te rends même pas la monnaie. Ah d'accord, ok. Là, j'ai pas le choix, apparemment. Elle est où la meuf qui vient tout le temps me voir là, tous les matins? Pourquoi elle est pas venue? Elle est dans sa Ferrari, c'est ça? Elle est où? Ah mais j'ai pas mis le thé noir tout ça. Enfin je dis pas ça pour vous madame, mais j'ai pas pris. Hop. Ah non, elle est pas là, bah c'est toujours pas elle. Elle a pris deux bouteilles d'eau et deux laits. Non mais c'est bon les frères, y'a aucun dérapage. Non mais je parlais du thé noir. Non mais je parlais du thé noir. J'ai parlé. Oui, vous voulez mettre dans la sauce pour rien, ça m'extermine. Oh, ça va, oui. C'est bon. J'ai juste précisé à la madame que je parlais bien du thé. Hop. Chocipic. 6,99. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que du coup j'achète le thé noir? Non, maintenant à chaque fois que je vais dire ça, maintenant ça me retombe dessus. Est-ce que j'achète le thé noir ou est-ce que c'est pas intéressant? Ouais, c'est bien. Mais le truc c'est que j'ai pas assez d'espace en fait. Donc il faut que je rachète une étagère. Et le café aussi? Bah je prends deux thés noirs et
deux cafés torréfiés et je me les commande. Argent après. Ok, non, je peux pas en fait. Il faut que quand le truc est fermé. D'accord, je peux pas. Je peux pas. Il y a plein de gens. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens. 15,42. Oh là là, hé. Hey. Hop, hop. Mais en fait, mon frigo, il. Comment ça, approuvé? Mon frigo, il flop, hein. C'est un flop, mon frigo. Mon frigo, c'est un flop. Personne n'est intéressé par mon frigo. Mais c'est une dinguerie. Oh, les œufs, j'ai pas pris les œufs, mais oui. Pourquoi? Oh, les œufs, en plus, c'est un banger, les œufs. Hop. Attendez, parce que là, il me faut, du coup, des œufs. J'avais oublié les œufs. Hop. 269$, la vie de ma mère. J'ai même... Attends, est-ce que j'ai la thune? J'ai même pas la thune. Je n'ai même pas la thune. Oh, il me reste 50 balles. Non, mais là, il va falloir ralasse, hein, s'il vous plaît. Pourquoi tu pars? Donne l'argent. J'ai 50 balles. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Elle coûte combien l'étagère? 200 balles l'étagère. Et j'ai des factures aussi à payer là? Mais non, mais c'est la banqueroute là. Et elle vient me casser les... Elle vient me... Oh, tu viens me faire perdre mon temps pour un bout de comté. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça on aime, voilà, ça on aime, ça on aime. Ok. Ils peuvent voler? Non, c'est vrai. Attends, je rigole même pas. Est-ce que les clients, ils peuvent me voler ou pas? Non? Non, ok, d'accord, ils peuvent pas me voler, ok. Oh, les œufs, c'est 4,50, hein. Les œufs, c'est 4,50. Hop, banger, tac. Bénef. Les pâtes. Hop. Ah, par contre là les gars, va me falloir faire des paniers un peu plus gros parce que là ça n'a aucun sens. Est-ce que les prix sont trop chers et du coup ils prennent des petits paniers ou pas? Est-ce que c'est pour ça qu'ils prennent des petits paniers? Est-ce qu'il faut que j'augmente faut que je baisse un peu les prix? Oh, ah d'accord, allez j'ai compris. Donc vas-y, je mets 4,49. Je vais essayer. Et si je vois qu'ils me prennent plus de choses, bon bah là je... C'est que j'aurais compris quoi. $482, c'est un peu cher. Je change de stratégie. Je change de stratégie. Hop. Ok, hop, lui, tac, tac. Vous êtes pas sûr, monsieur, c'est gentil. Une bouteille d'eau. D'accord, allez, super. Et en plus, tu me payes par carte. D'accord, on va faire ça. Hein. Est-ce que j'ai pas le temps là de changer mes trucs là? J'ai pas le temps. Pour une bouteille d'eau. Une, tu me déranges. Pour une bouteille d'eau, pitié. Mais c'est fou. Ok, alors attendez, parce que là, je suis en train de me faire dévaliser là. 3,70. Ok, je crois que là je suis au prix du marché pour tout. Peut-être pas les bouteilles d'eau. On va voir. Et j'espère vraiment que vous avez raison et qu'ils vont me faire des bêtes de panier parce que là je vais péter un plomb. Là c'est vraiment la merde. Là on va faire faillite. $9,42. Ok. Et regardez-moi ça. C'est nul comme panier, ça c'est nul. Ok. Donc là, ah, ils me le disent quand c'est trop cher. Donc ça veut dire... Alors attends, non mais là, vous avez pas compris la question. La question c'est, est-ce que si je mets au prix du marché, ils me font des plus gros paniers? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'ils me mettent des plus gros paniers, hein. J'ai l'impression qu'ils me douillent, hein. Ils font rien du tout. Hein. Non? Mais alors, mais écoutez, ma stratégie, elle va rechanger alors. Mais attendez, moi, je suis honnête. Moi, j'essaye de penser aux gens. J'essaye de faire plaisir au peuple, à la population. Et c'est comme ça que... Moins 297, sa mère.
C'est la merde, on va se taper les huissiers. On va se taper les huissiers de justice, là. C'est la merde, hein. Et c'est quoi là-dedans? Pourquoi y a rien là-dedans? Pourquoi je me tape un carton de con, là? Merci beaucoup, Ama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ouais, non, mais si, si, y a plein, là. Ils sont... Là, on est au max, là. On va remplir les bouteilles d'eau. Le comté a augmenté, bah c'est une très bonne nouvelle ça. Alors là c'est une très bonne nouvelle, l'inflation c'est une bonne nouvelle pour nous, d'accord? Donc là, le comté 4,08, mais y'a aucun problème. 4,50 mon petit pote. Avant je voulais être gentil. Et on me dit que maintenant, être gentil ça paye pas? Bah je vais être un gros chien. Chez Chris Market, c'est le profit avant tout. Donc 4,50, hop. Je remets tous mes prix. 3,25 c'est très bien le lait. Ça là, hop là, et bah c'est 3,50. Hop là. Ça, l'huile là. L'huile, c'est 5,50. Hop. Les trucs là, c'est 6,30€. Allez, hop là. Le sucre, c'est quoi le susu? Le susu, il est à 4,83? Pas du tout. Il est à 5,83. Hop là. Les pâtes, je les mets à combien? Les pâtes, je les mets à 4,20€. La farine, elle va être à 4,20€ aussi. J'ai mis zéro le comté? Pas du tout, vous mentez. Allez, on voit ce que ça donne. J'augmente pas beaucoup trop. C'est 1€, c'est quoi 1€ dans une vie? C'est quoi? Bon, peut-être que j'augmente un peu beaucoup, mais bon, hé, hey, oh, c'est quoi dans une vie? Je vous rappelle que ça roule en féfé ici, hein. J'ai un carton dehors, pardon. Hop. Mais c'est toi. Je le mets là. C'est quoi, c'est le thé noir ça ou pas? Oui, c'est le thé noir. Non, c'est le café, ça. C'est le thé noir, c'est le café. Ok, la journée commence. Est-ce qu'elle va se plaindre que c'est trop cher? Non, elle prend son pain de mie. Est-ce qu'elle se plaint que c'est trop cher? Non, elle prend son... Elle a pris quoi? Elle prend son sucre, je crois, ou de la farine. Regardez les paniers de zinzin qu'elle m'a fait, elle. Elle me commence la journée d'une manière incroyable. Lui, un comté. Lui, c'est un gros rat. Lui, par contre, c'est un gros rat, même pas je lui parle. 45,50€. Mais respecte-moi un peu, non? Mes factures? 10. 20$ de loyer. Mais mon argent, il part sans cesse. Dis-moi que t'achètes plein de trucs, s'il te plaît. 2 œufs. 2 œufs. Encore. De la farine, pour faire un gâteau il faut du sucre aussi. Pour faire un gâteau il faut du sucre. Encore du comté. Encore des gens qui piquent. Mais c'est quoi ce panier de fou? C'est quoi ce panier de fou, s'il vous plaît? 28,20€, c'est mon plus gros panier. C'est mon meilleur score. C'est mon meilleur score. J'ai juré, c'est mon meilleur score. Et après vous me dites c'est trop cher, c'est mon meilleur score. Oh les paniers de champions. Les paniers de champions. Mais prenez ça la concurrence. Les paniers de champions. Les paniers de champions. À part lui a tout gâché. Lui a tout gâché. 13,50. Attendez, il faut que je mette sur les étagères ça là. Hop. Tac, le petit thé noir. Hop là. Attendez monsieur, j'arrive tout de suite. J'arrive. Et je mets le prix d'achat 5,78, c'est banger. 6,40. Allez, 6,35. Hop. Ensuite, attendez monsieur, j'arrive, je suis en train d'augmenter les prix. S'il vous plaît, deux petites secondes. Hop, 6,30. Tac. Tu veux quoi toi? Sucre et huile? Y'a pas de problème. Y'a pas de souci. 10,98. Hop, magnifique. Allez, ça dégage. Ensuite, on prend, tac, le café fort. Et hop là. À peine j'ai mis, à peine il a acheté un thé noir. Lui il est raciste. Hop. 10,48. Bah alors là mon petit pote c'est 11,30. Hein. Hop. Mais la lumière, pourquoi vous me cassez les dents avec votre lumière? Oh les frères, la lumière elle est éteinte. 4,45. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Hop. Du pain de mie. Toujours aussi un gros hein, monsieur. Vous, lui, ça fait plusieurs fois qu'il vient et plusieurs fois qu'il me l'a mis à l'envers. Hein.
Hop, magnifique, magnifique. C'est parfait. Il faudrait que je rachète des trucs là. Hein. Là je... Oh, ça va, la bouteille d'eau est trop chère. Ah, c'est pas flotte, c'est à haute. Bon, on dirait qu'il y a écrit flotte quand même. Hein. J'ai plus de farine, c'est la merde. J'ai plus de farine, hein. J'ai plus de farine, c'est la merde. Attendez, la farine. La farine, la farine, la farine, la farine, la farine, elle est où elle est là? Je prends deux farines, hop, j'achète. Attendez, messieurs, dames, attendez, messieurs, dames. Attendez, messieurs, dames, j'arrive tout de suite. Je remets en rayon la petite farine. Attendez, messieurs, dames, j'arrive. Oh! Il est venu! Oh, mon héros! Il est venu! Attendez, lui, je sens qu'il va me faire un banger. Lui, je sens qu'il va me prendre masse truc. Lui, là, j'ai beaucoup. Et toi, j'ai une grosse confiance en toi. Toi, je sens que tu vas me faire un panier. Hop, alors toi déjà. C'est parfait. Toi. Ça me va. Et toi? Bah tu vois, t'es aussi un... Toi, t'es... Toi, alors toi, tu vois, tu portes bien le nom de ton café, toi. Gros narvalo, va. Hop là, 22,60 et ça dégage. Allez, dégage. Pars. Va-t'en, je veux plus te voir. J'avais beaucoup d'espoir en toi. Beaucoup, hein. Ce flop de zinzin, là. Non mais, venir me déranger juste pour deux choquipics, vous voyez ça, ça me rend fou. 12,60. Hop. Le prix de la farine. Oh merde! Attends, est-ce qu'il... ça veut dire que quand ils le prennent à zéro, genre? Ah non, c'est bon. Bah c'est bon, le prix de la farine, il est très bien. Ah, allez, je peux mettre 10 si vous voulez, mais bon. Hop. Lui, il m'a pris un petit café narvalo. Il revient? Ah, il revient! Vous voyez? Je le savais. J'avais confiance, je le savais. Je savais qu'il me ferait un... Je savais qu'il reviendrait et qu'il gâcherait pas là, qu'il gâcherait pas tout. Qu'il allait se rattraper. Et il va se rattraper. Mais monsieur, il y a un problème là. C'est bizarre ce qui se passe ici. Monsieur, vous allez pas le croire. Il y a un mec qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau juste derrière vous. Retournez-vous discrètement. Ah bah lui, alors lui. Alors lui, il me régale. Oh, 37 balles. 37 balles. Ça me fait penser quand t'es avec ton pote et que tu lui dis retourne-toi discrètement, il y a quelqu'un que tu connais. Et vraiment là, retourne-toi discrètement, il y a une meuf qui est hyper bizarre derrière toi. Tu sais, vraiment le retourne-toi discrètement qui devrait être. C'est toujours. Tu m'as dit quoi? La meuf derrière, elle est bizarre? Ça m'a toujours rendu fou. J'ai toujours eu des potes, je pense, très cons, je pense, c'est pour ça. Hop. Et par contre, là, ça me régale, hein. Là, ça me régale, hein. 17,40, hein. On va faire une journée de zinzin. Alors là, oh, on va faire une journée, mais vous vous rendez pas compte de la journée de fou qu'on va faire, là. Là, en termes de bénéf, en termes de bénéf, là, on se régale. Une dernière cliente pour la journée? Alors, si je peux me permettre, vous êtes la femme de ma vie. Si je peux me permettre, vous êtes la femme de ma vie. Ah mais si je peux me permettre, vous êtes la femme de ma vie. Non mais je suis... Non mais madame, je sais plus parler. Je sais plus parler, je suis... Ah, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Mais vous savez quoi? Je vous rends 10 dollars. Je vous rends 5 dollars carrément. Ça me fait plaisir. En vrai, ça, j'espère qu'on se reverra. Non mais attendez, elle a un tatouage de zinzin là. Non mais alors par contre... Ah non mais oui, Adeline, oui ça va. Ça va, elle en saura rien. Elle en saura rien. Non, là, elle, je veux qu'elle revienne, hein. Elle, je veux qu'elle revienne, hein. Toi, tu veux quoi, toi? Ok, pas mal de choses. 23,68, c'est une régalade. Aujourd'hui, ça a été un régal. Cette journée a été un régal. Je suis tombé sur la femme de ma vie. J'ai fait une journée. Regardez-moi ça, le profit. Plus 326 dollars. Plus 326 dollars! Je suis au Bill Gates, n'a qu'à bien se tenir. Ça va donner des petites leçons à Elon Musk en mail, là. Hop, et en plus, on peut s'acheter maintenant une étagère en plus. Hop, et ça, c'est cool. Étagère qui a été livrée très... Non, attends, je l'ai pas payé. Étagère, 200 balles, hein. J'espère que ça va être rentable, parce que 200 balles, c'est quand même beaucoup. Hein. Hop, l'étagère qui tient là-dedans, paf, étagère. Et on la met juste ici.
Je lui pète un plomb. Ok. Alors, elle a... On va augmenter les profits de Zanzan. Attendez. On va augmenter les profits de fou. Hop, on va... Il faut qu'on rachète plein de trucs, en fait. Qu'est-ce qu'on rachète, nous? Il faut qu'on rachète. Et le café est parti de Zanzan. Le café, on en reprend. Il est parti de Zanzan. Hop, on reprend deux cafés. 111$, ça coûte une blinde. Le café, le thé noir, c'est un flop. Je suis désolé, c'est un flop. Les pâtes. Il nous refaut des pâtes. Hop, des pâtes. Ensuite. Les chocs qui piquent, ça a fait un buzz, hein, les chocs qui piquent. Les chocs qui piquent, ça a buzzé. Hop, ça part. Déjà, on va s'occuper déjà de ça. Hop, c'est... Mais là, il n'y a eu aucun effort de fait, là. Là, c'est Chronopost qui m'a livré, j'ai reconnu. Hein. J'ai reconnu la signature de Chronopost, hein. Attention, je reconnais. Hop, les petites céréales ici, ça fait plaisir. On va même les prendre, on va les mettre là. Tac. Hop. Les petites pâtes qu'on va mettre là. Non, on va pas les mettre là. Les pâtes, on va les mettre là. Attendez, je suis en train de réagencer le magasin. Le petit café Narvalo, il va là. Et... il va aller là, vous inquiétez pas. On va reprendre le thé noir de con là. Hop, et on va le mettre, le thé noir, on va le mettre ici parce que personne n'en veut de toute façon. Ok. Ensuite, on prend, hop, du petit café Narvalo et on le met là. Voilà, on est pas mal là. Et tac tac, on les met là. Ok, ça. D'accord, on s'en fout. Merci beaucoup Wartex pour le sub. Et c'est pas parce que je dis que le thé noir c'est un flop que... je suis raciste, mais vous êtes des malades vous. Vous avez un problème. Ok, les pâtes on les met là. Et ensuite il nous reste les choux qui piquent, on les met là. Ok, on est bon. Il faut qu'on rachète des trucs. Il faut qu'on rachète des pâtes. On va en racheter deux. Faut qu'on rachète du thé noir. Pour qu'au moins ce soit en bas. Hop, un. Il nous faut... Du sucre. Le sucre, c'est pas mal. Ok. Parce que là, le sucre, c'est n'importe quoi. Là. Il nous faut de la farine. Alors déjà, on va acheter ça, on va voir ce que ça donne déjà. J'ai pas la thune. Je suis pas la thune. C'est la merde. J'ai pas la thune. Il me reste 30 balles. Donc vraiment, c'est... c'est la merde. Très bien. C'est pas grave. On va s'en remettre. C'est pas grave. Fais un prêt pour la thune. Ah ouais, je peux refaire un prêt. Mais oui, mais vous avez raison. Montant du remboursement anticipé, 645$. Attends, mais j'ai des paiements de zinzin là, à payer, là. 37,50 de partout, là. Mais c'est quoi tout ça? Mais j'avais pas vu tout ça. Mais attends, tout ça, je dois le payer, tout ça? Mais... Ah non, d'accord, ok, c'est les... D'accord, là, je peux les payer en avance si j'ai la thune de zinzin, mais ça... Ok, d'accord, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, d'accord, ok, non, c'est bon, j'ai compris, ok, c'est bon. Ok, on est ouvert! On est ouvert, tout le monde! Le magasin est ouvert! Ouh là là! Lui, je le sens bien. Lui, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Lui, je le sens bien. Il a une tête de vainqueur. Lui, je le sens bien. Attends, il est passé devant moi là, il s'est même pas arrêté. Attends, mais c'est ma meuf. Oh, elle est revenue, c'est la première cliente. Je vous avais dit qu'il y avait un truc qui s'était passé. Je lui ai fait les 5$ et ce petit geste, il lui a fait plaisir. Bourlet. Il s'appelle Bourlet le lait.
Oh, je vais serrer, il s'appelle Bourlet le lait. Je vous, vous voyez, je savais que entre elle et moi, il y a une connexion. Regardez comment elle me regarde. Pourquoi quand je dis ça, elle regarde par terre genre... Pourquoi quand je dis ça, elle regarde par terre? Mais je pensais qu'il y avait une connexion entre nous, madame. Vous avez pris deux thés noirs en plus. Ça vous fait 19$. Je pensais qu'il y avait un truc entre nous. Mais manifestement, non, rien du tout. Ou alors elle, par contre, elle me régale. 31,78. Lui, pas dingue. Pas dingue, pas dingue, pas dingue, mais on prend, on prend. Je pense que j'ai déstabilisé. Je pense que je pense qu'en effet, j'ai déstabilisé. Je pense que ça doit être ça. Des gens, par contre, eh, les gens viennent de plus en plus faire des petites courses de zinzin. Lui, il me régale aussi. Hein. Il m'a pris que des trucs chers. 25$. Ça part. 4,95, je lui rends. Ok. Ouais, mais j'avais plus d'argent. Je voulais, je sais qu'il fallait que je prenne de l'huile. Mais je n'avais plus d'argent. D'accord? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas encore l'argent. C'est la merde. C'est la merde. Il faut payer les impôts, il faut payer tout ça. J'ai pas l'argent. Ah, mais c'est la D. Hein. Ok, là le thé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la journée du thé? Là le thé fait un buzz. Hein. Là le thé buzz. 8,20. Hop. Pour Joe Biden. Elle me régale. 28$. Elle me régale. Chaud qui pique. Ok, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. On était sur une bonne lancée là. Hein. Et bah c'est bien dommage. On peut acheter. Ah mais là c'est... c'est la merde là. Ok, le thé, on enchaîne. Voilà, le thé, on enchaîne. Ensuite, du sucre. Le sucre, on le met là. Je les récupère ici, parce que ça n'a pas de sens finalement, et je les mets là. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Là, on est en train de faire une stratégie commerciale, les gars. Hop, les pâtes. Les pâtes, on enchaîne les pâtes. Il n'y en a plus. Des pâtes encore. Les pastas. Ok, on met ça ici. Paf. Les pastas, juste ici. J'arrive, monsieur, j'arrive, monsieur, dame, j'arrive. L'huile d'olive. Voilà. Est-ce qu'ils partent si je suis trop long? Ou pas? La farine! Ils se cassent ou pas? Oh mais regardez, non mais regardez-moi ça. 26$. Eh, le panier moyen a augmenté, hein! Si je peux me permettre, les gens achètent plus, hein! Ils partent? Ah ouais, non, faut que je les prenne, quoi. Ok. Merci madame. 69. 69? Ok, j'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous avez l'esprit mal placé de zinzin là. J'ai rien dit. Attendez. Je n'ai rien dit. Là, en vrai, on est bien. Là, en vrai, on est vraiment bien. On va pouvoir augmenter la taille de notre boutique. Ok. Hop. Parfait. Bon, alors, elle, 28,50$, c'est un bonheur. Merci, madame. Toi, tu te fous vraiment de ma gueule, toi. Eh, par contre, les gens qui me payent des trucs qui coûtent 4$ pour qui me donnent un billet de 50, je vais péter un plomb. Je vais vriller. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Mmh. 550, 400$. Mais on va jamais y arriver. 350. Mais on ne va jamais y arriver. Mais c'est très très cher, messieurs, dames.
Mais pourquoi vous me parlez de factures? Je les ai payées mes factures. Merci beaucoup pour les chaises Vortex. Mes factures, elles sont payées, non? Attendez, je vais voir. Banque. Non, c'est pas ça. Gestion. Facture. Bien sûr que non, elles sont pas payées. Voilà, elles sont payées. Ok. Ah, par contre, vraiment, je sais pas s'il faut que je baisse le prix de l'eau, mais personne n'achète mon eau. C'est une dinguerie. Personne n'achète mon eau. Si je le mets à 2,85. Ça va, 2,85. Eh, ça va. Hein. $50 encore. Mais vous vous foutez de la... Mais... Ok. Le lait aussi. Le lait, je vais le baisser un peu. Je vais le baisser un peu parce que je vous m'agressez là. Vous m'agressez, ça me déplaît déjà. Ça me déplaît beaucoup. Le lait, il coûte combien le lait? Oh, le lait, ça va! Ça va le lait! Je peux le mettre à 3,05 si vous voulez. Bah, hey, le prix du marché c'est 2,66 hein. Je suis pas si loin. Hein. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'on récupère Mastune parce que là, ça va pas du tout, là. Et je vais pas avoir Mastune avec des gens qui m'achètent un pain de mie, en fait. Et j'ai acheté des œufs ou pas, moi? Non, j'ai pas acheté d'œufs. Ou il y en a plus? On a plus d'œufs? Oui, bah ça va, un pain de mie, tu peux attendre, hein. Faut que j'agrandisse le magasin, là. Il faut qu'on récupère de l'argent pour agrandir le magasin parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, même si on a fait aucun profit. On a fait aucun profit. Oh, le thé noir a augmenté de prix. 6,93, c'est magnifique. Alors ça, l'inflation, on aime beaucoup. Hop. Merci beaucoup, Artex, pour les 10 subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Artex. Ok. Merci beaucoup pour le gift. 3,26. Allez, je peux mettre à 3,45. Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Pas 345. $345 le bout de comté, je suis pas sûr que ça passe de fou. Ok, la bouteille d'eau. La bouteille d'eau a monté. Mais ça, c'est parfait, ça. 3,15. Hop là. Ça, 4,50. Ah, bah, je vais mettre à 4,85. 4,82, allez. Merci beaucoup Léandre, merci beaucoup pour tous les gifts là. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour les gifts, ça fait plaisir. C'est adorable, merci beaucoup. Ok, on est pas mal, les pâtes. Oh les pâtes ça... Oulala, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des prix des pâtes là? C'est moi qui ai abusé ou c'est les prix qui ont baissé? Merci, mais les gars, c'est une compétition ou c'est comment? Merci beaucoup Wartex, merci beaucoup Wartex pour les gifts. Merci beaucoup. 3 euros la bouteille d'eau. C'est pas moi qui fixe les prix du marché, les gars. C'est pas moi. Hein. Moi, je ne suis qu'un honnête commerçant qui veut faire plaisir et qui veut régaler ses clients en étant honnête et en n'abusant pas sur les prix, genre. Moi, je suis vraiment... Je suis bienveillant. Je suis bienveillant envers mes clients. C'est tout ce que je suis. Bienveillant. Merci beaucoup, Léandre. Merci beaucoup, Léandre, pour les gifts. Merci beaucoup. C'est adorable. Ok, là on a les œufs, tac, on est bon. Et on en remet ici. Hop. Et l'huile, est-ce que l'huile on peut en remettre? Oui, l'huile on peut en remettre. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi les bails? Merci beaucoup Artex pour le gift. Merci beaucoup pour le gift des 10 subs, ça fait beaucoup là. Hein. Merci beaucoup, ça fait beaucoup. Merci beaucoup, c'est adorable. Vraiment c'est très gentil, merci beaucoup. Personne n'a acheté mes pâtes, d'accord. Personne n'a acheté mes pâtes hier. C'est la honte. Bouteille d'eau, on a. Ok. Là, il faudrait qu'on... les gars, qu'est-ce que vous faites là? Merci beaucoup Léandre. Merci beaucoup pour les gifts. Merci beaucoup Léandre. Merci beaucoup à vous deux, c'est adorable. Merci beaucoup, pas pour tous les subs, merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. On va payer les factures.
pour agrandir le magasin, c'est 350$. Je pense qu'à la fin de la journée, on peut agrandir le magasin et voir ce que ça donne. Je pense qu'on va avoir une bête de... On va avoir un bête de magasin. On va avoir un bête de magasin. Attendez-moi bien. Attendez bien à la fin de la journée, là. Parce que là, à la fin de la journée, vous inquiétez pas, ça... Attendez seulement. Vous allez voir. Premier client de la journée. Ça va annoncer la couleur. Ok. Et c'est déjà un panier à combien? À 20$. C'est pas si ouf. On se chauffait, mais c'est pas si dingue. C'est pas si dingue, mais au moins, c'est un bon début. Couleur? Tu dis ça parce qu'il est noir? Vous voulez vraiment que... Vous voulez que je saute, vous? Mais c'est une dinguerie, ça. Mais vous voulez que je saute? Mais vous êtes des malades. Ok, lui, c'est de la D. Moi, j'accepte tout le monde, messieurs, dames. Chez Chris Market, on est bienveillant avec toutes les ethnies. Avec toutes les ethnies, toutes les origines, toutes les couleurs de peau. On accepte tout le monde, tant qu'ils ont de l'argent. Mais on accepte tout le monde. Tout le monde. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci beaucoup, Arquette, pour les 10 subs. Merci beaucoup pour le gift. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le gift. Hop là, 26,70. Toi, je t'aime. Tac. 26,70. Qui fera mieux? Oh, waouh! C'est mon meilleur panier, je crois, 36,20, là. On va en tout, par contre. Merci. Les gars, c'est pas une compète, hein, vraiment. C'est pas une compète, les frères. C'est pas une compète. Merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup Léandre. Ce n'est pas une compète. Ça va, vous inquiétez pas, vous m'avez régalé là, vous pouvez vous arrêter, vous m'avez régalé déjà là. C'est déjà super, merci beaucoup. Bah, tant qu'ils ont de l'argent, je suis en magasin, hein. J'ai payé mes factures comme tout le monde, hein. Je suis en magasin, lui m'a régalé. Oh, lui m'a régalé. 32. Je suis jamais allé à 40, hein. Je suis jamais allé à 40 pour l'instant. Ça se rend du monnaie 67,30$, mais pitié. J'aimerais bien arriver à 40. Voilà, et après, il y a les vieux relous de merde, là, qui me prennent une bouteille d'eau. Ok, les œufs. C'est tout. Deux bouteilles de lait, c'est tout. D'accord, super. Allez, dégage. Allez, régale-moi. Oh là là, c'est une dingue. Ils étaient beaucoup plus généreux, les premiers qui sont venus dans le magasin, là. Là, ça devient un peu un cauchemar, hein. Les œufs, par contre, ils buzzent un peu, hein, non? Oh, le comté. Et le comté, par contre, c'est vrai que le comté, il buzz de zinzin. J'en ai plus du comté. Je vais en racheter. Parce que vraiment, le comté, les gens, ils kiffent. Hein. Ah, mais ça a baissé. Bon, on va quand même en acheter. Parce que le comté, apparemment, ça buzz. Le comté, les gens, ils ont aimé. Ils ont aimé le comté. Il n'y a pas de problème. Vous aimez le comté? Il n'y a pas de souci. Moi, je dépense sans comté. Moi, j'ai Chris Market. On adore faire des blagues. Hop, je mets ça là. Les œufs, j'en remets. Paf. Oh, lui m'a régalé. Il m'a régalé. 41. C'est mon meilleur score. 41,20$. C'est magnifique. Hop. Et l'autre con avec ses œufs là. Hop, 1$. Vas-y, dégage. Et que je te revois plus ici. Oh, vous, madame, je vous adore. 49 $. Mais madame. Et vous me donnez votre carte bleue comme si c'était vraiment un pass d'immunité. Mais il n'y a aucun problème, avec plaisir. Vous avez gagné l'épreuve d'immunité, il n'y a pas de souci. Hop, on se revoit à la prochaine étape. Ah, Toi, même pas, je te donne l'heure. Toi, vous voyez. Oh là là, 24. Oh, non, j'ai rien dit. Ce sera juste un petit merci. Allez, hop là, merci monsieur. Même pas de bonne journée. Merci monsieur, et ça dégage. Hop. Ok, on a $440 sur nous là. $440, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on agrandit à la fin de la journée? C'est vrai qu'on agrandisse maintenant, on est d'accord? Ça sert à rien qu'on agrandisse maintenant. Une bouteille d'eau? Bah, tu sais quoi, toi, même pas t'as de bonne journée, t'as rien du tout, toi.
tu mérites rien. Allez, dégage. Lui par contre, je le sens bien. Lui par contre, il va me faire un panier à plus de 50$. Il s'arrête plus. Il a la carte Infinity. Oh, par contre, la farine est trop chère, d'accord, excuse-moi. Et tu vois, on était à peu de choses, Sardoche. Hein. À deux petits trucs près, on avait le meilleur score. Et t'étais affiché ici dans mon mur des héros. Et bah, au final, t'es un gros loser. Tu dégages. Hop, toi, j'aime la lumière, il fait sombre. Monsieur, même pas, je vous parle. Tac, ça dégage. Mais quelle facture, vous me parlez de quelle facture là? On a payé toutes nos factures. Voilà, on a payé toutes nos factures. Ah mais ça, faut que je les paye. Elle se paye pas toute seule. Elle ne se paye pas toute seule. Je pensais qu'elle se payait toute seule. Oh mais j'ai perdu tout ce que j'ai gagné. Bah mais je découvre le principe des impôts. Maxime découvre le principe des impôts. Oh le jeu est dur. Comme la vie finalement. Hop. 17,85. Je suis abattu parce que vraiment j'avais masse thune. Et je me retrouve avec rien du tout là. Je suis dégoûté. Éteins la lumière même la nuit. Je suis pas sûr que les gens soient hyper à l'aise avec... avec une ambiance comme ça. Je suis pas certain que ça les incite à acheter. Oh là. 33, ok. C'est beau. Hop. Tac. Elle a mis tout son héritage dedans. C'est magnifique. Lui, il me régale. 42$, c'est magnifique. Merci beaucoup Artex pour les deux subs. Merci beaucoup Artex. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais je ne termine pas la journée, je continue. Hein. Tant qu'il y a des gens, je continue. Hein. Elle est on fire. Elle ne s'arrête plus. Hein. Oh là 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 là. Attendez, mais c'est fou les clients de dernière minute là. 26, 34. Allez, hop là, ça dégage. Toi. Pas si dingue, un peu déçu. Mais c'est pas grave, je prends quand même. Merci beaucoup Léandre pour le gift. Merci beaucoup Léandre. Oh là là! Mais attends, mais c'est un panier à combien ça? Ah, dommage. 100$ en plus, t'aurais pu me ralasse. T'aurais pu un petit peu faire un effort. On était à peu juste que tu sois mon client préféré. Hein. Merci beaucoup, Artex. Merci beaucoup. Est-ce que lui, il passe ou pas? Est-ce que lui, il passe à ma boutique ou pas? Allez, top. Ok. Il n'y a qu'un client qui a trouvé un truc trop cher, profit total 478$. Excusez-moi, cette journée était magnifique, le comté est plus cher, le comté a explosé de prix. Et bien le comté, il va coûter 4,10€ maintenant. Hop là, c'est le petit comté. Tac, la bouteille d'eau, on met les bouteilles d'eau. Tac, on remplit. On remplit parce que là, je me suis fait dévaliser. Hop. Ensuite, le comté, ça continue même. On est hyper drôle chez Chris Market, on est hyper marrant, hein. L'humour c'est vraiment notre force. Hein. Hop, les petits œufs, c'est bon. Les pâtes, est-ce qu'on a pris des pâtes? On a pris des pâtes, tac. Et voilà. Et là maintenant, on va pouvoir agrandir, non? Est-ce qu'on peut agrandir ou pas? J'ai payé ma facture. Merci beaucoup Léandre pour les 5 subs, et merci beaucoup Wartex pour le gift, merci beaucoup. Oh les gars, vous arrêtez plus là, il faut, on peut se calmer, hein. En vrai, on peut s'arrêter, je pense que vous avez vraiment suffisamment donné là. En vrai, vous avez beaucoup donné. Merci beaucoup, c'est adorable, mais n'abusez pas. Ça, je paye. Attendez, mais si je paye tout, là, après, moi, j'ai... $750. Un montant du remboursement. Paiement restant, $712. Oh là 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 là, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, hein. Ok, on va agrandir. Ok, on a grandi. Allez, on a grandi. Hop, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh les murs sont partis carrément, d'accord. Merci beaucoup Artex, merci beaucoup. Hop. Mais attendez, mais là c'est une dinguerie en vrai. Attends, on va reculer ça. Merci beaucoup. Et Loïc qui s'y met aussi. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Artex. Mais...
s'arrête plus. Merci beaucoup Artex, merci beaucoup. On va les mettre côte à côte, non? Est-ce que vous pensez pas que c'est une bonne idée ça? Mettre côte à côte. Ah ça marche, on peut pas faire ça? Ah si, on peut faire ça. Merci beaucoup Artex, je n'arrive même plus à savoir où on en est là. Merci beaucoup Artex pour les deux subs. Merci beaucoup, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas ce qui se passe. Non, pour l'instant, on n'a pas assez pour faire ça. Merci beaucoup Artex, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub encore. Encore une fois, je précise, hein, mais vous avez donné beaucoup. Ne donnez que ce que vous pouvez donner. Hein. N'abusez pas du bail, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on est pas mal. Et notre magasin, il est 12 fois plus grand. C'est beau. C'est beau, ça. C'est magnifique. On peut mettre le frigo juste là. Hop là, on gagne de la place. Et merci beaucoup, Léandre. Merci beaucoup, Léandre. Là, on a gagné une place de zinzin. Je vais juste décaler un peu ça. Pour qu'on ait un peu plus de place. Hop, que ça respire un petit peu plus. Hop. Hop. Ok, là, on est pas mal. On va pouvoir racheter des trucs. On va pouvoir racheter des étagères. Ou frigo ou étagère? Frigo ou étagère? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on peut acheter aussi des licences de produits. Non, on n'a pas assez d'argent. De toute façon, on a pas d'argent. En fait, je dis ça, mais on n'a pas d'argent en fait. Je m'emballe, mais on n'a pas d'argent en fait. Un frigo, ce serait super, mais on n'a pas la thune. On n'a pas l'argent. Et non, pas de frigo pour l'instant. On n'a pas l'argent. Mais plus tard, vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Par contre, on peut racheter peut-être un petit peu de produits, peut-être. Est-ce que vous pensez qu'on peut racheter un petit peu de choses? Qu'est-ce qui nous manque là? Qu'est-ce qu'on est en rupture de stock là? Oh, le café Narvalo, il nous en faut, il nous en faut. Non, non, il nous en faut. Ça coûte, c'est trop bien. J'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Ah, j'en ai acheté un. Bon, écoutez, au moins on en remet. Ok. Ok, je savais pas que je pouvais faire ça. Ok. Bah écoutez, c'est parti. Un employé? On peut avoir un employé là? Je suis niveau 6, est-ce que je peux avoir un employé qui travaille pour moi? Non mais là c'est incroyable, par contre si je peux avoir un employé... Non c'est niveau 10. Paiement effectué 133 sur 200. D'accord, bon c'est pas tout de suite hein. Ok, et bah écoutez c'est parti, nouvelle journée. Est-ce que notre magasin il tue? Notre magasin il tue! Il tue! Excusez-moi, pardon, mais à un moment... Allez venez, venez les gens. Non là il y a un flow hein, vraiment il y a un flow hein. Avec deux petits frigos juste ici là. Un petit frigo là, un petit frigo ici, un petit frigo là. Franchement ça sera pas mal hein. Je mettrai deux petits frigos là et je mettrai une étagère en plus là. C'est parfait, j'ai déjà mes plans dans ma tête. J'ai déjà mes plans dans ma tête. Après j'achèterai un employé, il y a personne qui vient. Il y a personne qui vient. J'ai fait des investissements monsieur, il faut rentabiliser, voilà merci. S'il vous plaît, régalez-moi, je viens de payer, je viens de donner beaucoup d'argent là. Ouais. Non mais c'est tout. Non, ça commence mal, vous voyez c'est une mauvaise journée, c'est une journée qui commence très mal ça. Ça c'est une journée qui commence très mal pour la Chris Market Industries. C'est une journée qui commence très très mal. Madame. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout là. Faites-moi des vrais paniers, pitié. Lui il me fait un vrai panier. Lui il me fait... Oh Jason Statham là. Oh Jason... Ah mais attends, mais c'est... Attends. Mais... Attends, déjà il me régale déjà. Mais c'est Greg MMA. Mais... mais c'est Greg MMA. Mais... c'est Greg MMA de zinzin. Mais attendez, mais... Oh si... Si je l'encaisse pas tout de suite, il va me faire quoi? Il va me mettre une golden? Il va me faire rentrer dans la cage? Mais... mais c'est Greg MMA de zinzin, mais pitié, mettez-moi une photo à côté, s'il vous plaît. Mais c'est fou. Oh mais il me régale, 45-50. Il m'a régalé, hein. Il m'a régalé, à la prochaine. Il m'a régalé. Les factures sont payées, ça va. Ok. 23,70.
Non, non, non. Il m'a régalé. Merci. Je sais pas si j'allais remercier Wartex. Merci beaucoup, Wartex. Et merci beaucoup, Léandre, pour les 5 subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment beaucoup. Merci beaucoup. 77 à rendre, mais pitié! Et merde, bon, c'est pas grave, je lui fais grâce de 8 dollars, enfin de 8 centimes, ça va. 40 centimes, allez hop là. Ok, on a 181, il faudrait peut-être restock, hein. Merci beaucoup Artex. Merci beaucoup. Le lait, faut racheter du lait, faut racheter du lait. Faut qu'on rachète du lait. On a plus de lait, c'est la merde, on a plus de lait. Hop là, on a plus de lait, on récupère du lait. On a plus de quoi d'autre. Il nous faut des œufs. Hop, des œufs, on a. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut du café Narvalo. Du café Narvalo. On a. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut de la farine. De la farine, il nous faut de la farine, on a plus de farine. Hop! 1, 2, 3, merci beaucoup Artex. Merci beaucoup. Mais merde, si je donne de l'argent au client aussi Allez, hop là, on va remettre tout ça en stock. C'est la merde. Merci beaucoup Artex. Merci beaucoup Artex pour les subs. Et merci beaucoup encore Artex. Merci beaucoup tout le temps en fait. Il s'arrête plus. Le lait. Ok. Et merci beaucoup Artex. Encore. Merci beaucoup. Les œufs. Je vais encaisser. J'arrive, madame. En plus, vous me régalez, je vous fais attendre. Excusez-moi, madame, c'est inadmissible mon comportement. Excusez-moi. Hop, inadmissible mon comportement. Et toi, là, 16,30 ? Hier, tu me fais un panier à 45$ ? Et là, 16,30 ? Bah, vous voyez, je pensais qu'on avait construit quelque chose ensemble. Je pensais... Alors, vous, par contre, on va construire quelque chose... Oh, vous, on construit quelque chose quand vous voulez, hein ! Mais si vous voulez, je viens chez vous, je fais la cuisine, carrément. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah quoi? Non! Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non! 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 Non, merci beaucoup Léandre pour les 10 subs. Non! Je lui ai refilé tout, mais vous allez me dire que je peux pas récupérer mon argent? Oh si je peux. Mais je pouvais en fait depuis le début. Mais pourquoi personne me l'a dit dans le chat? Mais pourquoi personne me l'a dit? Mais vous êtes des crevards? Pourquoi personne me l'a dit? Par contre, là, je suis désolé, mais là, j'ai l'impression que mon magasin buzz, là. Mais vous saviez qu'on pouvait remettre l'argent? Mais c'est génial. Mais là, ça m'a régalé, hein. Ça m'a remonté le moral, carrément. Ça me fait plaisir. Bon, c'est bon, vous pouvez payer en carte, s'il vous plaît, c'est chiant. Attendez, je vais allumer la lumière parce que les pauvres, là, ils voient rien. Hop, hop, tac. Voilà, 35$, on se régale. On se régale, excusez-moi, mais on se régale. Hein. Je n'ai même pas le temps d'aller restock. J'ai pas le temps. Je fais trop d'argent, en fait. J'ai pas le temps, je fais trop d'argent. Je fais trop d'oseille. Donc je peux pas, en fait. J'ai pas le temps d'aller même mettre en rayon. Je fais trop d'argent. Hop. 3,55. 1, 2, 3 et 55. En fait, je devrais faire des prix ronds, j'avoue. Pourquoi je fais pas de prix ronds? Oh, j'avoue, les gars, attends, mais mes invités, j'avoue. Merde, ils arrivent à quelle heure? Attends, je vais leur demander parce que là, ils... Oh, bah, attendez, est-ce que... Il y a des priorités dans la vie, il y a des priorités dans la vie. Et là, il y a 18,54 qui arrivent, là. 1. Voilà. Attendez, madame, je vous encaisse tout de suite. Non. Voilà, excusez-moi, madame, pour le temps d'attente, excusez-moi. Hop, j'ai demandé. Ok, est-ce que je peux aller restock ou pas, du coup, là? La farine.
Et bon, c'est plaisir la farine. Oh la farine, je me suis fait dévaliser sur la farine, non? Hop. Ça c'est quoi ça? C'est des œufs. Hop, 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 les petits œufs. Tac, 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 les petits œufs, on en met partout. Ah oui, ça va, ça va. Ils sont en retard, ça va. Et le petit café Narvalo. Allez, vite, vite. Ok, pardon, excusez-moi, monsieur. Bon, non, excusez-moi, pas du tout. Alors là, pardon, mais excusez-moi, mais non, pas du tout. 11,12$. Me dérangez pour ça. Ok. Oh, waouh. Toi, tu me régales. Hop là. Est-ce qu'on est bon là ou pas? Ah, on s'est fait dévaliser. Par contre, on a fait une journée niveau rendement, mais c'est un bonheur. Alors là, je peux vous le dire, on va acheter des trucs, on va se faire plaisir. L'eau, hop. Voilà, l'eau, par contre, pareil, on s'est fait dévaliser au niveau de l'eau. Ok, hop. La journée, on la termine avec un bénéfice de moins 1, je vais me faire foutre. D'accord, super, allez, top. Nickel. Je suis abattu. Je suis abattu. Une journée de zinzin pour ça, je suis abattu. Je suis dégoûté. $6,51 et je le vendais. Pourquoi je le vendais aussi bas, moi? Mais je suis fou. Mais tu m'étonnes que tout le monde venait acheter. Je vends de la D là, en fait. Ok. Et ça, ça a combien ça? 6,95, ok. Ça, ça a combien ça? 10,48 toujours. Bon, je vais mettre 11,15€ parce que bon, allez, je fais une petite promo en ce moment. Une petite promo, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Queenie Miss Mortara. Merci beaucoup pour le sub. Ok. Du coup. On a 441. On va payer nos factures, évidemment. On va les payer, nos factures. Sinon, vous allez me spammer. Voilà, les factures sont payées. Le prêt, est-ce qu'il est payé, le prêt ou pas? Le prêt, il est payé. Ensuite, il nous reste 359. Est-ce qu'on se rachèterait pas un petit frigo? On se rachète frigo ou on se rachète des... J'arrive plus à parler. Je fais un AVC. Est-ce qu'on se rachète un frigo ou est-ce qu'on se rachète des produits? C'est ça la vraie question. Un frigo? Produits avant? Ah, c'est peut-être mieux d'acheter des produits en effet. C'est peut-être mieux d'acheter des produits. Parce qu'on n'a pas grand chose là. Ouais, produits, vous avez raison, on va acheter des produits. Alors qu'est-ce qui nous manque? On a pu... Rien, en fait. On a plus rien. On va acheter des jeux qui piquent. Hop. Ensuite, de l'huile. Hop. Ensuite... Café Narvalo. Mais qu'un seul. Là, c'est beaucoup trop cher, Café Narvalo. C'est abusé, en vrai. C'est abusé. Oh, ça va, oui. C'est la crise un peu là. Hein. Du sucre, on va racheter du sucre. Et du pain, c'est le pain qui nous manque. Ok, bien vu. Ok, on va acheter déjà tout ça. 224 balles. Alors, j'espère qu'on va vite rentrer le gâteau parce que là, ça va pas du tout. Ok. Tac. Ensuite, du sucre. Tac. Ensuite, l'huile. Hop. L'huile, encore. On met ça là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du pain de mie. On le met là. Du sucre, encore. Là, on se régale. On se régale avec le sucre. On se régale. Des jeux qui piquent. Voilà, c'est parfait. Oh, notre, il va être blindé notre magasin. Ensuite, le café Narvalo. Voilà, on est pas mal. Et ensuite, le pain de mie encore, juste ici. Et là, c'est pas mal, hein. Excusez-moi, mais notre magasin, il a vraiment de la gueule, je trouve, hein. On va racheter du sucre, parce que on a pas assez, en fait. On va racheter du sucre et on va racheter du comté. Bien vu. On va racheter du sucre. Et du comté. Et de la farine. Hop. Ça me fume les piles. C'est vraiment le livreur, il se fait un kiff au livreur. Le livreur, il se fait un petit kiff. Il dit tiens, mon métier est pas assez fun.
Ouais, mais le sucre, vous inquiétez pas, c'est une vraie strat. Je sais que j'ai beaucoup de sucre, mais le sucre, c'est une vraie strat. Parce que le sucre, je vois les gens, ils kiffent dans mon magasin. Ils en achètent énormément. Vous inquiétez pas. Ah, et le thé noir, on en a plus aussi. Aïe, 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 on a plus de thé noir. J'avais de l'huile, là, encore. Ok, mais c'est bon. Okay, très bien. Ok, là, du sucre. Puis j'aime bien, je suis un peu maniaque, c'est bien rangé comme ça, il y en a partout. Et ensuite, on a... C'est quoi, ça? C'est encore du sucre? Alors, j'ai peut-être acheté un peu trop de sucre. J'ai peut-être, en effet, un peu abusé du sucre. Peut-être. Vous avez peut-être raison. Sur le sucre, j'ai peut-être déconné. Mais c'est pas grave. Est-ce que du thé noir, on en a encore? On peut en acheter ou pas? Bah non. Bah, je vais me faire foutre. Allez, top. Allez, on ouvre. C'est parti. Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, c'est le buzz. Aujourd'hui, on se régale au niveau du prix. On va se faire des pépettes en or. Vous inquiétez pas. Regardez, regardez même, regardez. Déjà, ça arrive, déjà, ça arrive, déjà, ça arrive. Je me permets même de répondre à un petit message carrément. J'ai pas vérifié les prix. J'ai pas vérifié les prix du tout, vous avez raison. Quelle erreur. Mais puisque je suis bien au-dessus des prix du marché, même si les prix montent, au final, je suis dans les prix un peu plus raisonnables. Donc ça va, ça va. Oui, tu peux, frérot, tu peux. Lui, il était déjà venu. Il m'avait fait déjà une dinguerie. Lui, il m'avait déjà fait une dinguerie au niveau du panier. Et il va me faire de la D. De la D. Top, top, top. Comme quoi, on a des déceptions. Peu importe quand, peu importe avec qui. On n'est jamais à l'abri. Oui. Hello, putain, mais monsieur, vous êtes habillé pour l'ouverture du magasin? Oui, je vais vendre des chips. Putain, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis pris une porte de garage dans la gueule. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Et ça m'a démonté la clavicule. Hey! Regardez, il s'est carrément habillé pour l'ouverture de mon magasin. Ah, c'est des chocs qui pigou. C'est le titre, il y a aucune vanne. T'as juste lu. Mm. Ouais, mais c'est pas grave. Elle est top. Regarde. Alors, attends, tout ce qu'elle a acheté, elle consomme. Donc j'ai vu la hype de tout ça, pourquoi? Alors explique-moi. Je sais pas. D'accord. Mais en vrai, moi je sais pas, mais je suis accro, genre. Genre depuis tout à l'heure, je vends des trucs, il se passe pas grand-chose, hein. Je vends, mais j'aime bien. Mais tu peux aussi remplir ton magasin, c'est ça? Ouais, tu peux l'améliorer. Ok. Genre là, mon magasin était tout petit, tu vois. J'avais pas de frigo. J'avais que 2 étagères. Là, j'ai 3 étagères. Mais non! Et comment... j'ai un frigo en plus. Est-ce que ça m'intéresse? Oui? Non? Non. Ok. Ok. Bah regarde. Elle, tu vois, regarde. En plus, moi, je suis vraiment un aimant à femme, finalement. Okay. Parce que, regarde, en fait, je fais le buzz. Regarde! Elle consomme! C'est un magasin, Maxime. Ça consomme, regarde, Maxime. Ça consomme. Ça consomme de zinzin. C'est un magasin, c'est normal. Ça consomme combien là? J'ai jamais vu un caisson. 55. Ouais, est-ce que je suis hyper rapide? Okay. 52, 24. T'es avec la même police que MrBeast qui met dans ses vidéos, j'adore. C'est très précis. Hein, 27, 14. Non, comment? Eh oui. Elle ouais. T'a dit par carte, elle peut faire par espèce? Oui, elle mais là, nature, là elle me casse pas les couilles, c'est bon. Okay. Hop, tac. Hop, non, et là c'est 36,69. Ça va, madame? Ouais, ça consomme aussi là. Ok. Hop, ah non, là c'est pas le bon prix. J'ai rajouté un 7. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive. T'es en tryhard là en vrai, par contre, je vois. Hein. Moi, j'arrête pas là. Mais en fait, mais on fait pas de soirée là, tu peux rentrer chez toi. Ok. En fait, là, j'ai mon magasin. Mais on est censé faire un Mario Party toute la soirée là. Ouais, mais j'ai mon magasin, frérot, regarde, 20-30 là. Moi, tu vois, j'ai des crédits à payer, j'ai des factures. Regarde, je dois m'occuper de. Michel. De robots d'éther. Il ressemble de ouf à un robot d'éther. Gros, il y a une vibe. Comment ça, mon ref? Il y a une vibe de zinzin, gros. Merci beaucoup, Inakayu. Normalo. Putain, mais c'est quoi ces marques là aussi là? Hop, tac, 2,15. Hop, ah, hop. Je suis mort. Et hop, hop. Ah pardon, désolé les amis. Bonjour. J'ai vu Raven nous a pas dit bonjour. Excusez-moi les ah, amis. Ah bâtard. C'est, j'avoue, le live, je suis pas trop flex. Oh déjà, le mot flex c'est 2017, tu vois. Donc non, c'est pas du tout aussi. 41,90. Hop là, 41,90. Tac. Et non. Là, là, ça y est. Là, c'est à cause de toi que moi je prends mon ticket et qu'il y a des fautes. Oui, et que tu payes 100 balles de plus. Mais ça arrive à tout le monde. Eh non. Ça arrive. Non. Payer 100 balles de plus pour des comptés. Non, non, 90 centimes à la limite. Pour fait, du comté. Merci beaucoup, Inakei. Merci beaucoup. Ok. Non, Inakei, ça n'a rien à voir. Ok.
J'ai bientôt fini, t'inquiète pas. Non, oh, t'inquiète, regarde, au calme. Robot des termes, il a un peu changé là pour le coup. C'est un peu le même, mais c'est pas le même temps le même, tu vois. 23,80, tac, 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 hop. Et la journée, je peux te dire que la journée est du bénéf, hein. J'imagine. Ça bénéf là, hop là. T'as 420 de bénéf. $420 là, j'ai récupéré là. Salut Corbeau, on t'a dit, parce que Raven, on m'a dit. Ah oui, la ref ou pas là? Tu as capté, chacal. Waouh. 8,20€, tu vois, il y a des gens comme lui, comme ce con là. Oh, fatigué là. Qui en... Oh, il est fatigué le pélo. Oh la vache. Et C'est tout. C'est même plus, là c'est même plus une calvitie, c'est des trottoirs. On peut faire un créneau juste ici là. Hop, une petite voiture qui se passe, un petit créneau juste ici. Bah en fait c'est le gamin de Toy Story qui a grandi. Oh non, oui. Oui, tu vois? Mais bien sûr. Et il vient regarde, il vient de se baisser, c'est mal le crâne. Et il vient me casser les couilles pour 8,20€ et il paye par carte en plus. C'est quoi qu'il a acheté là? Bah il a acheté un du thé de con, je crois. Ah, du thé de con. Hop, alors que elle est Navivas. Elle va hop, elle c'est attends, c'est un magasin spécial influenceur. C'est un magasin spécial influenceur. Elle c'est Rachida Dati. Oui, c'est pas une influenceuse Rachida Dati. Tu sais, à l'heure actuelle, on peut influencer beaucoup de gens et beaucoup de choses finalement. Derrière, c'est qui alors? C'est Tsuku peut-être? Tu dis ça. C'est raciste? Non, je parlais des chevaux qui piquent, enfin rien à voir là. Ah, ok. Parce qu'il adore les céréales, il m'a dit. Oh putain, les gens vont me prendre trop mal. C'est des blagues qu'on se fait avec Tsuku H24, mais c'est pas grave. Oui. Ils sont pas courants. Hop. Et hop, tac, 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 tac. Oh, mais ils prennent tous la même chose. Ils prennent tous la même chose parce qu'en fait, je n'ai pas d'autre chose à leur offrir. C'est juste ça. C'est fou qu'ils viennent dans ton magasin pour acheter des trucs. J'allume la lumière. Oh, ouais. On voit mieux ou pas? Non. Merci beaucoup, Pikachu. Merci Pikachu. Il y a plus de thé. Je sais que l'ami qui a plus de thé, mais j'ai pas d'argent. Enfin, là, si j'ai d'argent, là, si j'ai masse d'argent. Investi. Non mais t'as vu, et ils me disent, il y a plus de thé, les factures payées. Attention, les impôts, ils vont arriver. Attention, l'URSSAF. Non. Ils me le disent. C'est trop personnel, je crois. Non. Regarde comment ils consomment. Sa vie là-bas. Il y a Joe Biden là-bas qui est en train d'acheter des. Oui, ça oui. Non, c'est Jason Statham. Arrête un peu. Oh là. Ah, oui, non, c'est Jason Ratam. Il est. Jason raté quoi. Ouais. Hop. $43. Il te donne la carte, il est heureux quoi. Ah, vraiment, il est content de payer. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui. Tu vois, j'ai créé une relation avec mes clients. Ah, tu regarde, lui, j'ai une relation de zinzin avec lui, tu vois. Parce que pourquoi il m'a payé 44,20€? T'as à peine t'as fini, il a fait as. Ouais, hop. Tac. C'est vraiment très cher pour le peu qu'ils ont, je crois. Hein. Oui, bon, ouais, c'est la crise pour tout le monde, hein, si je peux me permettre. Tu veux que je te montre comment ils roulent dehors? Ouais. Ça roule en féfé dehors, d'accord? Non. Si, j'ai un quartier de zinzin, moi. Hop, regarde, 36$. Mais c'est vous, ils sont tous en costard, oui. Mais bien sûr. Dis-moi, j'ai un quartier, il est riche, et bah écoute, j'aligne mes prix. J'aligne. Bon, regarde, je vais dehors. Ah, tu peux. Et regarde, première voiture qui passe. Ici, y en a pas. Parce qu'on est. Première voiture qui passe, oui, moi. Bah, on peut attendre longtemps, je crois. Regarde. Ah. Oh. Regarde, première voiture qui passe. Je pensais que c'était une vanne. Ah, et c'est une fée. C'est une fée moitié. C'est Cédric Grolet. Ouais. Cédric Grolet qui vient de passer là. Là, il va chercher ses pâtisseries. Il va chercher ses trompe-l'œil. Hop. Supermarket. Il s'appelle Chris Market, mon magasin. Un rapport avec le mec dans Danse avec les Stars. Ouais, je l'ai. Ok. Tu vois, cette conne là, qui vient de m'acheter deux. Elle m'a acheté quoi d'ailleurs? Elle m'a acheté sucre en poudre et lait. Elle m'a donné un billet de $100 et je dois lui rendre $88. Ça va? Et ça te fout dans la merde, ça, non? Bah non, c'est relou. Juste, elle aurait pu acheter un peu plus, tu vois. Ouais. C'est relou. Mais après, je me plie au client, le client est roi, hein. Ah, rachète des étagères et te dira qu'il y a. Oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas. Rachète une nouvelle section de magasin pour qu'il soit plus grand. Bah oui, c'est vrai, bah c'est vrai. Voilà. Mais il se passe beaucoup de choses là, actuellement. $9,80, mec, 9,80. Market. Hop. 9,80. Je termine la journée, t'inquiète, après, je suis là. Non, sans souci, les gars, moi je lis les commentaires, tout va bien. Hop. Tac, 28,50. Donne que 10 pièces d'un centime. Non, c'est chiant, je crois. Oui, c'est relou, c'est relou. Achète un frigo. Frigo. Ouais, mais j'ai pas. Attendez, le monsieur. Prends un frigo. Hop. Et Raven, comment tu vas? Ça va, les refs. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait du plaisir de vous voir là. Ok. Et là, on a une journée, frérot. On a fait des bénéfices. Regarde-moi ça. Un bénéfice de plus $461. Ouais, du moins. Ah oui, d'accord, approvisionnement. Parce que oui, les loyers, la facture, tout ça, tu vois. La tu vois, les œufs, ils ont baissé. Et la bouteille d'eau, ils ont monté, tu vois. C'est l'inflation. Ah oui, bah donc oui. Les bouteilles d'eau, 3,14 la bouteille d'eau. Ah, donc tu la montes? Donc moi, je vais la vendre à 3,40. Parce que je suis un chien. D'accord. Et voilà. Est-ce que t'as déjà remarqué si vraiment tu montes trop haut, ça achète pas? Ils disent, oh, c'est trop cher. Eh ben, je leur dis, fermez votre gueule. Et ils achètent quand même, mais c'est bien. Non, ils partent. Bon, faudra voir quelques trucs, mais bon. Mais c'est pas grave. Ouais, j'ai fait des études de marketing, frérot. Je sais comment ça marche. Hein. Assez, je sais comment ça marche. Ah, tu vois le sucre de... Ouais, là, c'est du susu. Du susu. Enfin, frère, par contre, c'est les vrais. C'est comme ça que ça marche à Leclerc. Hein. Que... mais non, mais... C'est moi, Leclerc, je faisais pareil. Hein. Ah ouais? Ça marche exactement comme ça. Ah, ça passe à travers les vitres, oui, même. Ça marche comme ça. C'est hyper... En fait, c'est hyper cool parce que tu vois, on gagne du temps comme ça. Hop là, c'est quoi du comté?
Hop, hop. Quel beau fromage. Vous validez le comté c'est ou pas? C'est dégueulasse le comté, frérot. Ah. C'est ignoble. Alors moi, je trouve ça horrible aussi. C'est ignoble. Pourtant, je suis très très fan de fromage, je suis normand. Donc et pourtant, c'est le fromage préféré de ma mère. Est-ce que l'anecdote est intéressante? Pas vraiment. Non, mais c'est quand même le fromage préféré de ma mère. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai 800 balles. Maintenant, je fais quoi? Parce que je suis riche en fait. Bah, donc, je fais quoi? À part faire. Bah. Je paye mes... Déjà, je paye mes factures. Oh non. Ah, de quoi ce jeu? Du coup, tu dois payer des factures, mais c'est nul. Je paye mon prêt aussi. Oh non. Ouais. Ah oui, il faut payer des prêts. On peut acheter, on peut agrandir le magasin à 700. On n'a pas l'argent. On oublie, on n'a pas l'argent. Eh bah, prends un frigo. On t'avait dit quoi? On t'avait dit. Petit frigo. Rembourse ton prêt. C'est incroyable le compté avec COMPTE. Le compté. Le compté. Ouais, le compté. Ok. Est-ce que toi t'as pris tes cramptés? Non, je les ai oubliés chez moi. D'accord. Ouais, je suis désolé. Un frigo. Eh ben, on va prendre un frigo alors. Bah ouais. Un petit frigo. Ça spamme le frigo très fort. Tu vois à quel point ça livre vite? Vas-y. Ok. J'achète. J'ai acheté aussi, je me suis pris un petit peu de thé. Oh, il se met bien. Et j'en prends même deux. Oh. Hop, j'ai acheté. Et tac, c'est livré. Ah, c'est bien. Tu sais, c'est intelligent, ils ont mis le plus petit carton en dessous et, oui. Et le plus gros beaucoup trop chiant au-dessus. Eh oui. C'est bien intelligent ça. Hop, là on fait quoi? On fait ça. Tac. Pareil, ça c'est très naturel. C'est pareil, dans la vraie vie, t'as juste à le prendre. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. J'ai quand même travaillé à Leclerc pendant. Oui, pendant une semaine. Ouais, à peine. Et j'ai vu des choses. Non, t'étais à l'inventaire, t'as pas bougé. J'ai vu beaucoup de choses. Prends une licence, c'est quoi une licence? Ah, une licence de produit. Ben oui, je vais te montrer. Et tu vas être genre le seul à pouvoir le vendre? Eh non. Ah. Non, c'est non, juste je sais. Que, en fait, j'ai pas le droit d'acheter de l'eau. Là. En fait, là, tu vois, j'ai pas le droit d'acheter par exemple d'autres choses. J'avais pas le droit d'acheter de l'eau à la base. Okay. Maintenant, je peux. Et en fait, si je vais acheter des licences, tu vois, tac, dans mes petites licences. Ah oui, hop, donc ça te donne le droit j'achète de pouvoir en vendre. Là, maintenant, je peux acheter du beurre de cacahuète, de la farine. Tu piges l'huile d'olive et l'eau pâte spaghetti et plein d'autres trucs. Ah, spaghetti, c'est bien. Eh oui, spaghetti, comment dire. Spaghetto dit, chez les Italiens, tu vois. Beurre de cacahuète, farine, huile d'olive, sel, riz basmati et pâte spaghetti. Pâte spaghetti. On va acheter du riz basmati parce que c'est hyper cool le riz basmati. Mm. J'ai pas d'argent, donc je peux pas. Ok. J'ai pas la thune. Ah, il te reste 5$. Merci beaucoup, Wartex, pour les 10 subs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci, Wartex, pour les 10 subs. Merci beaucoup. C'est Wartex, mais s'il avait pas percé. En plus, je fais une vanne sur son pseudo, alors qu'il me fait masse cadeau depuis le début. C'est adorable. C'est une vanne, Wartex. Ah, le retour de Wartex, j'avoue. C'est une vanne, les Wartex. Les gens le connaissent? En fait, il ralasse les subs depuis tout à l'heure, là. Il s'arrête pas. C'est super gentil. C'est vraiment adorable, pour le coup. Bah, du coup, voilà. En fait, donc là, j'ai un frigo, mais j'ai pas la thune pour le remplir. Bah, c'est. Donc, tu vas payer l'électricité vide d'un frigo vide. C'est bien. C'est vrai. Mmh. Merci beaucoup, Léandre. Merci beaucoup, Léandre. C'est vrai. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, finalement. On s'arrête là? Oui. Allez, on va s'arrêter là quand même. Bah, tu fais gaffe, t'es pas en train d'arrêter là. On va s'arrêter là, mec, quand même. Ouais, mais t'es en train de. Bah, par contre, y'a plus personne. Et là. Parce qu'en fait, le magasin est fermé. Et oui, il est closed. Oh. Regarde, tu vois là. Ah, c'est hop, pas toi qui dessine. Chris Market. C'est pour le montage YouTube. Oui, ouais. Hop, closed. Et si j'appuie dessus, ouvert. Fermé. Ah, dessus, c'est toi qui décide, ok. Fermé. Ouais, d'accord. Ouvert. Non, j'ai compris. Fermé. Là, il est ouvert. Ouais. Là, il est fermé. J'ai compris. Là, il est ouvert. Fois. Là, ouais. Il est fermé. Encore. Là, il est ouvert. Toujours... Là, il est fermé. Et ainsi de suite. Ouais, bah, j'avais. Si jamais tu l'as pas. J'avais compris. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Hop, je vais m'arrêter là. Tu l'as ouvert. Tu viens de l'ouvrir. Ah, j'ai pas fait exprès. Ouais, ça, ouais, un bug. Si, j'ai vu ta. Les amis, je vais m'arrêter malheureusement parce que j'ai des connards, des potes qui sont arrivés à la maison. Donc, on va pouvoir passer une soirée de con, une soirée de super. Et on livrera la prochaine fois, vous inquiétez pas. Direct, t'as le seum. Non. Regardez, les clients, ils affluaient et en fait, à cause de toi. Non mais ils viennent pas. C'est un jeu, c'est les pas clients, des les clients, ils affluaient. Je viens de crasher tellement ça m'énerve. La voiture, elle pue. Non, c'est de mettre les. Je tu vois. Non. Les clients affluaient, et je ne peux pas. Bien, merci beaucoup Wartex pour les 10 subs. Merci beaucoup Wartex, c'est énorme. Mais c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Merci beaucoup Wartex. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. La prochaine fois que je live, c'est jeudi. Et je pense qu'on relivera dessus. Vraiment, j'ai trop aimé. mais par contre, tu rigoles, mais c'est vraiment addictif de zinzin. Ça a l'air vraiment addictif. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce jeu de con? Oui. Et en fait, je l'ai lancé et j'ai qu'une envie, c'est de vendre du sucre et du thé noir et du café fort Narvalo, des pâtes, mais juste aussi de l'huile d'olive. Ouais, mais revois peut-être les noms, tu vois, genre Chocipic, Panzati. C'est pas moi qui les ai. Attends, parce que l'huile, elle s'appelle l'épier. Attends, mais quoi? C'est 4 c'est... balles 82. Mais parce que c'est du terroir. Du tiroir plutôt, c'est là, du... carrément. Non, il y a pas. Je ferai pas mieux, je ferai pas mieux. Merci beaucoup, les amis, j'espère que le live vous a plu. Ça vous a plu ou pas? Je ouais, me suis j'ai alors kiffé. J'ai dit un nombre de conneries hallucinantes, je suis désolé, j'étais particulièrement en forme, j'étais fatigué, ce qui fait que du coup, je dis beaucoup de conneries. Il dit ça tous les jours. Merci beaucoup Léandre pour les 10 subs. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai beaucoup rigolé.
Et je pense qu'on en refait jeudi. Jeudi 18h, vous pouvez vous le noter. Jeudi 18h, on relive. Il le note lui aussi. Hein ? Je crois que tu le notes. Non, je note pas, bah non, quand même, je sais. J'ai mon cours de japonais à 19h. Je vais peut-être le. Non, c'est jeudi ça. Et je connais les hiragana. Je les ai appris par cœur. C'est vrai ? Eh oui. Oh, c'est chaud ! Je vais te le dire. Donc, c'est les 46 hiragana. A, I, U, E, O. Kaki Kukeko. Oh, tu captes pas. Sashi Suseso. Tu captes pas, Maxime. Tachi Tsuteto. Wow. Nani Nuneno. Hahi Fuheho. Ya Yu. Mais il manque des mots là. Non, si, non. Ma Mi Mumemo. Ya Yu Yo. La Li Lu Lelo. Wa Wo. Lelo, j'adore. Il est trop fort. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et là, c'est les 46 hiragana. Je les ai. D'accord, et ça te sert? Pour l'instant, pas grand chose. Merci. Merci beaucoup, Artex, pour les subs. Merci beaucoup, Artex. Ah, non, mais bon. Je les ai en tête. Je sais juste pas à quoi ça sert pour l'instant. Putain, j'avoue. Ok. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien. Au moins, tu l'as. Alors, moi, je les ai. Ça fait plaisir. Quand demain, quand vendredi, je vais voir un prof de japonais qui va me dire alors, tu les as appris, je vais lui faire non. Et si ? Si, tu vas faire. Tu vas capter comme ça, comme Canal Plus. Allez. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup pour tous les. Non, mais frère. Oh. 25 Léandre, mais c'est la fin là. C'est la fin. Léandre, on s'arrête. C'est fini. Bah vous voulez finir ça bien, c'est tout. Ah bah mais là 25 c'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup là. Merci beaucoup. Ouais. Je sais même pas quoi dire, merci beaucoup. Mais je sais pas combien il y a eu de subs aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Attends, je vais sauvegarder quand même parce que j'ai pas sauvegardé, j'aurais perdu tout. J'aurais tout perdu. Si, j'aurais tout perdu. Allez. Merci beaucoup Léandre, c'est adorable. Merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On est combien là de subs actuellement là? On est 440. C'est énorme. Je sais pas ce que ça représente, je suis nul. C'est beaucoup. Ok. C'est beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup trop. Mais ça me fait plaisir. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vais mettre une petite raclée à Raven, Tsuku et Anthony Priolo à Mario Party. Ça je peux pas le nier. Voilà. Je vais leur mettre une petite fessée pour qu'ils comprennent un petit peu c'est qui le papa. Donc... Et on va s'embrasser. Non mon fils. Oh. On va s'embrasser. Allez. Allez. Eh ben c'était cool pour une. Bisous tout le monde. Passez une très très bonne soirée. Jeudi 18h en live du coup ensemble sur Supermarket. Supermarket. Des bisous. Bisous tout le monde. Bisous bisous. Et merci beaucoup pour tous les subs, vraiment, je sais pas quoi dire, c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. À jeudi 18h.